Bonjour et bienvenue à cette séance du conseil de retour en formule virtuelle. Quelle tristesse parce qu'on avait bien aimé notre dernière séance. Comme vous le savez, la ville de Mont-Saint-Hilaire fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal, ce qu'on appelle la CMM, et laquelle a été déclarée en zone rouge à partir de jeudi dernier, et ce pour une période de 28 jours à partir du 1er octobre. Les rassemblements sont interdits, nous sommes de retour en mode de fonctionnement que nous avions lors des séances d'avril et jusqu'à août dernier. C'est-à-dire que seul le directeur général et moi-même sommes en salle actuellement, accompagnés d'une équipe technique de TVR9, au nombre limité par la loi. Les conseillers sont avec nous via la plateforme Zoom. D'ailleurs, pour les interventions, je leur demande de parler haut et fort afin qu'on puisse bien les entendre. Pour le public, il y aura, comme d'habitude, deux périodes de questions, une au début et une autre à la fin. Toutes les questions devront être posées via le système indiqué sur notre site web et c'est notre modérateur qui les lira, soit notre directeur général. Une très courte introduction à la question sera acceptée et les préambules trop longs ne seront pas lus. La première période de questions sera réservée au point inscrit à l'ordre du jour. Les autres questions seront lues lors de la deuxième période de questions, à moins qu'il nous reste du temps dans la première partie. Exceptionnellement, ce soir, j'ai accepté que dans la première période de questions, une question qui va venir d'une citoyenne de Tobin Park concernant la rue Maureen, et ce, afin de la libérer par la suite. La durée des périodes sera limitée à une période de 30 minutes pour la première période, alors que la deuxième période sera limitée dans le temps, c'est-à-dire que la séance se terminera au plus tard à 22 heures. S'il y a d'autres questions après 22 heures, elles seront reportées à la séance suivante. Aussi, dans le contexte de pandémie, nous avions décidé de reporter les demandes de dérogation lorsque nous aurons des séances publiques. Toutefois, comme ces rapports ont un impact sur les projets et que nous ne savons pas jusqu'à quand la situation perdurera, alors nous avons décidé de procéder aux dérogations. Si vous avez des questions ou des demandes de précision sur les demandes de dérogation mineures inscrites à l'ordre du jour, faites-les parvenir par courriel ou par le biais de l'outil de clavardage en ligne et nous les lirons rendus à ce point à l'ordre du jour. Pour vous inscrire à l'outil de clavardage, rendez-vous sur villemsh.ca dans la section Conseil municipal, puis Séance du conseil. Il faut choisir, regarder la séance et poser des questions pour aller s'inscrire. En terminant, je rappelle aux membres du conseil que tout au long de la séance, il faudra prononcer vos votes à voix haute. Nous vous verrons ici via l'application Zoom, comme je l'ai dit tantôt. Et si vous avez des questions ou souhaitez demander de vote, mentionnez-le à voix haute. Je vous parle du COVID, de la COVID. Alors, comme nous sommes passés au niveau d'alerte rouge, nous avons dû annuler ou reporter plusieurs de nos activités. Pour les détails, visitez régulièrement notre site web et suivez-nous sur notre page Facebook. La situation que nous vivons est vraiment exceptionnelle. Nous sommes conscients des efforts que cela représente individuellement et collectivement que de s'isoler et de suivre les consignes, mais il faut le faire, il faut le faire maintenant. Je prends donc quelques minutes pour vous remercier de continuer de suivre l'ensemble des directives et d'ainsi contribuer à sauver des vies. Nos équipes sont à pied d'œuvre pour continuer d'offrir le service auquel vous avez le droit, tout en mettant tout en œuvre pour faciliter l'application des mesures de distance sociale. L'hôtel de ville, le garage municipal ainsi que l'éco-centre demeurent ouverts, mais à un horaire restreint. Dans la mesure du possible, nous vous demandons de limiter vos déplacements dans ces endroits, et ce pour la santé et la sécurité de notre personnel, bien sûr, mais aussi pour votre santé et votre sécurité à vous. Si vous avez besoin de rencontrer un membre de l'équipe municipale, nous vous demandons de prendre rendez-vous. Nos équipes continuent d'ailleurs de vous offrir nos services en ligne ou par téléphone. N'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire. Restez à l'affût des développements sur la pandémie en visitant la portion COVID-19 de notre site web
ou suivez-nous également sur Facebook. La bibliothèque, comme annoncé par les instances gouvernementales, les bibliothèques doivent demeurer fermées. Toutefois, les prêts sans contact et les prêts surprises se poursuivent. Vous trouverez tous les détails sur notre site web et la page Facebook de la Bibliothèque Armand Cardinal. L'Halloween. Alors, cette année, en contexte de pandémie et par souci de santé et sécurité, le parcours hanté sera annulé. Vous savez, le fameux parcours qu'on faisait dans l'ancienne caserne, alors c'est annulé. Toutefois, nos équipes travaillent à préparer une activité adaptée au contexte. On va vous revenir. Mais et nous attendons les directives de santé publique pour savoir si nous annulons ou pas la journée d'Halloween. Restez à l'affût du développement sur notre site web et Facebook, je le dis souvent. Le Landorn, alors comme annoncé la semaine dernière par voie de communiqué, l'édition Landorn de cette année a malheureusement dû être reportée à l'an prochain. Étant donné le contexte, il était impossible de tenir un tel événement sans mettre en danger la santé et la sécurité des artistes comme de la population. Les artistes seront dédommagés pour le travail fait cette année. Ils auront préséance l'an prochain. D'ailleurs, on va communiquer avec eux sous peu. Le marché public est heureusement maintenu. Il nous reste donc ce mercredi entre 15h et 19h. Vous allez faire vos prévisions de produits locaux avant l'hiver. Ce mercredi, il y aura donc un dernier marché public dans le stationnement du centre aquatique de l'Hôtel de Ville. Restez à l'affût des détails en visitant encore notre site web et notre page Facebook. En terminant, j'aimerais souligner le départ à la retraite bien mérité de l'un de nos précieux collègues et collaborateurs, M. Jean Clément. Les membres du conseil ainsi que tout le personnel de la ville de Mont-Saint-Hilaire se joignent à moi pour remercier M. Clément de ses 40 années passées au sein du service de la sécurité publique et comme premier directeur de service de sécurité incendie à Mont-Saint-Hilaire. Nous sommes reconnaissants d'avoir pu compter sur son expertise et son expérience tout au long de ces années et naturellement, nous lui souhaitons une retraite à la hauteur de ses attentes et connaissant Jean, je sens que ça sent le golf pour la retraite. Alors, ça passe à travers ce que les annonces j'avais à vous faire. On va, avant d'aller à la période de questions, on va ouvrir. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour approuver l'ordre du jour de la séance ordinaire du 5 octobre 2020 du Conseil municipal de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Je propose. Je propose. Oh, j'appuie. Alors, M. Bro, M. Turner. Je vais faire juste une petite. Oui. OK, c'est concernant notre citoyenne de Autobahn Park, Mme oui. Séverine Leclerc. Je veux lui dire d'avance tout de suite que ce n'est vraiment pas du tout contre elle que je parle, mais je pense qu'il y avait une pratique non écrite depuis des années à Mont-Saint-Hilaire. M. Bernard, par tradition, parlait toujours en premier. On a mis, par démocratie, un tirage aléatoire. Donc, je suis contre quand on donne la parole à Mme Séverine Leclerc. Parce qu'elle passe avant tout le monde. Donc, il y a un tirage au sort aléatoire et elle devrait mettre son nom comme tout le monde et puis de pouvoir faire ses annonces comme elle veut, comme les autres, selon la démocratie qui a été donnée par tous. Donc, ce serait comme bypasser nos citoyens pour une citoyenne d'Autobahn Park. Alors, même si c'est une question qu'on sait pour, on sait déjà très bien pourquoi elle est là, mais je ne pense pas qu'elle doit avoir un passe-droit autre que par-dessus M. Bernard ou nos citoyens. Voilà. Alors, votre commentaire est fait. Je suis d'accord avec Mme Meunier. En tant que président de l'Assemblée, je lui ai donné la permission parce que c'est une jeune maman. Laissez-moi parler. C'est une jeune maman. Elle a des jeunes enfants à la maison. Elle ne peut pas rester jusqu'à la fin. Alors, j'y ai donné la permission. Je pense que c'est la moindre politesse qu'on peut faire à une personne qui s'inquiète de la rumeur. Alors, on peut faire la même chose pour tout le monde à ce moment-là. Je ne vois pas pourquoi. Ouais. Il y a d'autres mamans aussi qui ont des enfants puis qui sont à la maison je aussi. Je pense que M. Bernard, il n'a pas de jeunes enfants. Il peut attendre un petit peu plus tard.
Monsieur. Ben, moi, je me retiens, Madame Bérard, moi, je me retiens pour cette période de questions-là, je ne serai pas là. Alors, Monsieur Saint-Onge. Alors. Ça va long. Donc, vous m'entendez bien, Monsieur le maire? Oui. Alors, question de Madame Séverine Leclerc. Mise en contexte. Il semble être un peu long, Monsieur le maire. Est-ce que vous m'avez demandé, je pense, de le lire en entier? Oui, parce qu'il y a plusieurs questions dans la... Le 11 août dernier, la ville d'Ottobon Park... Je m'excuse, j'ai des conseillers qui ont quitté la séance. Toujours le quorum, Mme Pierrard. On a toujours le quorum? Oui. Parfait. Parfait. Le 11 août dernier, la ville d'Ottobon Park a forcé la discussion avec la ville voisine en fermant la rue de la Violette. En réponse à cette fermeture et au lieu d'ouvrir la discussion, Mont-Saint-Hilaire a fermé son tronçon également et maintient aujourd'hui la fermeture. Depuis le début de ce dossier, les mésententes entre Ottobon Park et Mont-Saint-Hilaire perdurent, incapables de discuter sérieusement ensemble de l'enjeu local de circulation du quartier. Dans ce dossier, 1. La rue a été fermée du jour au lendemain, sans résolution pendant des semaines, sans consultation citoyenne, sans consultation du comité de circulation de la ville. 2. Aucune étude conjointe entre les deux villes n'a été menée en même temps et sur les rues avoisinantes pour démontrer que l'achalandage n'est pas unique à Maureen, mais conséquence de comment le quartier est développé. 3. Un manque de transparence basant la fermeture sur une étude non publique. Les chiffres du passé et ceux de juin 2020 démontrent des questionnements méthodologiques liés aux études face à aucune hausse démographique locale. 4. La fermeture des places, le vrai enjeu des automobilistes dangereux qui ont maintenant plus de kilomètres à faire depuis la fermeture de la rue. Il y a 3 établissements de petite enfance entre 40 et 80 enfants, sans compter les milieux familiaux, les écoles, etc. Une pétition circule en ce moment avec 590 signataires, dont 231 signataires proviennent des deux villes concernées, dont plus du tiers, 34 % proviennent de villes de Mont-Saint-Hilaire. Pétition disponible sur demande. Question. Monsieur le maire, seriez-vous prêt à réellement adresser la situation de fond, de manière neutre, avec transparence et éthique, en collaboration avec les élus d'Ottobon Park, ainsi qu'un spécialiste externe en circulation municipale et neutre, afin de clore ce dossier de manière responsable? En vous remerciant pour la réponse. Alors, merci, Mme Leclerc, pour votre question. Alors, vous me permettrez de faire des petites précisions avant de répondre à votre dernière question. Il faut savoir que la rue n'aurait pas été fermée si Ottobon Park ne l'avait pas fermée. Nous, on a dû la fermer parce qu'il y avait des voitures qui passaient sur la piste cyclable pour contourner les blocs qu'Ottobon Park avait mis. Et il y avait des citoyens qui ont communiqué avec nous en disant que c'était extrêmement dangereux. Alors, naturellement, on était la sécuriser rapidement. Vous dites qu'il n'y a pas de discussion avec Ottobon Park. Il y a eu des discussions avec Ottobon Park. À titre d'exemple, j'avais demandé au maire parent d'envoyer une lettre à tous les résidents, il y a quand même plus d'un an de ça, pour dire aux résidents, arrêtez de passer à l'envers, là, parce que ça n'a pas d'allure. Alors, je vous rappelle que 4000 voitures qui ont été, que l'étude démontre durant une période d'une semaine, dont 800 qui prenaient à l'envers le tronçon. Vous savez, j'ai écouté, comme les autres membres du conseil, on a écouté la séance d'Ottobon Park, la dernière, puis je dois vous dire que j'ai trouvé le M. Perrin irrespectueux et surtout irresponsable. Nous avons investi plusieurs milliers de dollars dans la rue Maureen pour essayer de trouver une solution. On a commencé par mettre des ballons pour essayer de réduire l'effet de la rue. Ça n'a rien changé. On a investi des milliers de dollars pour faire une traverse surélevée pour essayer de réduire la vitesse et ça n'a pas servi à grand-chose. Le conseil municipal a pris une décision de la maintenir fermée. Vous me posez une question, mais je dois la relancer aux membres du conseil, à savoir, est-ce que les membres du conseil, vous voulez qu'on relance la discussion avec la ville d'Ottobon Park?
parce que c'est vous qui avez le dernier mot avant tout. Alors, je vous écoute. Si moi, je peux commencer, Jean-Pierre Brault, conseiller municipal, président du comité de circulation. Notre comité a pris acte de ce que le conseil de ville a décidé. Et puis, on était pratiquement d'accord avec ce choix-là, même avant que ce soit décidé par le conseil de ville. On était rendu à ce point-là parce que, comme M. le maire l'a dit tantôt, le nombre de véhicules qui passent dans cette rue-là, cette rue-là n'est pas faite pour se recevoir ce flot de voitures-là. Et puis, c'est pour ça que moi, je maintiens la décision. Puis même, tu sais, là, il y a 800 récalcitrants dans une semaine qui prennent cette rue-là à l'envers. Je pense que c'est un non-sens. Fait que c'est de cette façon-là que nous prenons la décision pour que le bien-être de nos citoyens. Puis nous, on travaille avec les... C'est sûr qu'on a des voisins. C'est sûr, comme madame disait tantôt, je vois pas le pourquoi que il y a un détour qui est fait de plus. Vous ne deviez pas, de toute façon, prendre cette rue-là à l'envers. Fait que vous deviez passer par Osias-Lauduc, par la rue Comté, vous en venir à Mont-Saint-Hilaire. De toute façon, c'est ça qui devait être fait. Fait que ça ne change rien pour la différence pour cette partie-là. C'est sûr que oui, partir de Mont-Saint-Hilaire, s'en aller à Taverne, c'était plus facile de passer par là. Mais c'est quoi le détour, là? C'est un détour de peut-être un kilomètre, un demi-kilomètre au plus, là. Fait que c'est, je pense pas que c'est si grand que ça. C'est un bon point que vous amenez, M. Brault, parce qu'effectivement, il faut savoir que ce n'est pas une rue collectrice. Puis avec le nombre de véhicules qui passaient, ça le devenait. Et d'ailleurs, je vous rassure, lorsque M. Parent disait que c'était dangereux pour les gens de la rue La Violette à Tavern Park, côté incendie et police, j'ai des confirmations en main des deux services incendie et police qui disent de toute façon, ils ne l'auraient pas pris parce que lorsqu'ils vont sur une urgence, ils prennent des collectrices. Alors voilà, ça vient confirmer encore plus que cette rue-là n'est pas une collectrice, mais elle était devenue par le FAMIN. Alors, est-ce qu'il y a d'autres membres qui veulent s'exprimer? Oui, Sylvain Roule. Moi, je reste en accord avec la décision de notre comité de circulation et je maintiens notre position là, sur la rue Morin. Monsieur Gilbert? Moi, en fait, personnellement, je suis d'accord à ce que ça reste sens unique jusqu'à temps que la ville de Tavern Park se mette à bloquer la rue. C'est ça qui est venu, du moins, légitimer ou activer le dossier, mais à contresens. On sait qu'Ottobern Park voulait ouvrir les deux sens, donc voulait avoir le beurre, l'argent du beurre et le reste qui vient avec. Mais bon, regardez, moi, je pense que s'il y a quelqu'un à tendre la main vers l'autre, je pense que ça doit venir de l'autre côté, du côté de Ottobern Park, pour ma part. Si on veut réouvrir le dossier, je ne ferme pas la porte, mais je pense qu'il y a des efforts qui doivent être faits du côté de Ottobern Park. OK. Sur ça, il y a quand même deux contre un pour la proposition de maintenir la fermeture. Alors, Mme Leclerc, malheureusement, je dois vous dire qu'on n'entamera pas de discussion avec la ville d'Ottobern Park. Alors, merci. Oui. Je m'excuse, M. le maire, est-ce qu'il y a une résolution officielle qui est faite alors? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Mais la résolution a déjà été faite. Vous voulez faire une deuxième résolution? Parce qu'il y a déjà une résolution le mois passé. D'accord. Exact. Je ne pense pas qu'on ait besoin de faire une deuxième résolution. Ce n'est pas un vote, en fait, c'est juste l'opinion des conseillers à chaud. Alors, prochaine question, M. Saint-Onge. Excuse, je dois concentrer sur un tirage des questions qui sont à l'ordre du jour. OK. Pour les maisons, c'est plus un commentaire, mais je vais me permettre de le faire. Nom de Mme Monique Gingras. Alors, merci, M. Saint-Onge. Merci de bien vouloir lire ce court texte reconnaissant. Monsieur le maire, conseillère et conseiller,
Madame Michaud et moi tenons à vous remercier sincèrement ce soir pour la mise en place du programme Rénovation Québec, volet Maison Lézardée, numéro 1299 de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Merci de nous avoir entendus et d'instaurer ce programme pour vos citoyens. Un merci particulier à tous les fonctionnaires ayant œuvré à ce projet. Avec gratitude, Monique Gingras. Madame Gingras, merci. C'est apprécié. On est toujours à l'écoute des citoyens. C'est une preuve ce soir. Puis on va même vous annoncer une bonne nouvelle lorsqu'on va adopter la résolution. Autre question, M. Saint-Onge? Oui. Ça ne sera pas bien long, c'est toujours un peu plus technique. Oui, oui. Alors, une question de M. Jacques Morneau. Référence, le point 42 de l'ordre du jour. Pourquoi remplacer les fenêtres du garage municipal lorsque l'on sait que le garage municipal va déménager dans la zone industrielle dans les années à venir, afin d'éviter de gaspiller inutilement les deniers publics? Est-ce qu'il y aurait moyen de prendre des mesures temporaires mais moins coûteuses pour rallonger la vie des fenêtres existantes au lieu de les remplacer par des neuves, sachant que l'édifice sera détruit dans quelques années? Dans quelques années, on parle de beaucoup d'années. Là. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter, M. Saint-Onge, sur... Excusez-moi, M. le maire, je ne vous entends pas. Il y a un petit problème. Ah. Je vous écoute. Alors, je voulais savoir si vous aviez d'autres commentaires à faire sur la demande de M. Morneau. Oui, juste m'assurer que vous m'entendez bien. Oui. D'accord. Alors, oui, je peux répondre à M. Morneau. Les travaux qui sont là sont des travaux qu'on pourrait considérer d'urgence. Ce qu'on m'a informé lors de l'évaluation du dossier, il y a des fenêtres qui ont... complètement descendu du long du mur. Il y a de l'infiltration d'eau, donc présence de champignons, moisissures. Donc, il doit avoir des travaux. Et au niveau de la CSST, aussi offrir un environnement de travail agréable. Je ne pense pas que de mettre des plywood dans des fenêtres serait une solution envisageable pour des employés qui travaillent à l'intérieur du garage. Donc, je peux vous rassurer, par exemple, que c'est le minimum qui doit pouvoir être fait pour assurer un bon lieu de travail et aussi sain pour la santé des employés. Et bien sûr, si lors du déménagement, il y a quoi que ce soit qui peut être fait pour récupérer, comptez sur nous que l'évaluation sera faite à ce moment-là. Mais on sait, comme je l'ai dit, M. Gilbert, je vous donne la parole après. Comme je l'ai dit, c'est un dossier qui va prendre 5, 10, 15 ans avant que le garage municipal arrive. Alors, il faut sécuriser nos employés. Ce n'est pas des travaux temporaires, là. C'est vraiment pour permanent pour nos employés. Monsieur Gilbert. Oui, bien, moi, c'est quelque chose que j'avais pensé, effectivement, de pourquoi est-ce qu'on remet à niveau alors qu'on avait déjà fait ça. En fait, qu'est-ce qu'on a appris, c'était qu'en 2018, c'est un consultant qui a omis d'inclure ça dans la mise à niveau complète de 2018, parce qu'en 2018, pratiquement tout a été remis à niveau, sauf ces 11 fenêtres-là. Fait que c'est de mon côté, c'est ça qui m'a permis de croire, bien, OK, ce deal, faisons-le. Puis effectivement, on en a encore pour, je pense, c'est 2032 avant de déménager le garage municipal. Puis ça, c'est s'il n'y a pas en cours de route des pépins, puis probablement qu'il va en avoir. Fait que dans le doute, c'est mieux de le faire. Oui. Merci. Autre commentaire? Prochaine question. Ça ne sera pas bien long. Question relativement à un point qui a été discuté ce soir. Je crois que c'est en réponse aux affirmations, aux interrogations là, qu'il y a eu de vos deux conseillers. Une question de M. Pierre Nault. M. Corriveau, le dossier de la rue Saint-Georges ne vous a donc-t-il pas appris à ne pas avoir de favoritisme? Quand je parle de favoritisme, c'est le fait que vous aviez privilégié une personne plus qu'une autre dans l'ordre des questions posées lors de la séance du conseil. Non, c'est donner un droit à une pauvre madame avec des enfants qu'on je veux tout simplement libérer. Rappelez-vous que la première période des questions, j'ai souvent dit que s'il y avait des gens qui voulaient, surtout ici en public, quitter par la suite, c'était permis. Alors, je n'ai pas privilégié. J'ai donné une permission à une personne pour la libérer. Autre question, M. Saint-Onge? Oui. J'ai d'autres questions sur la rue Maureen. Est-ce que vous voulez continuer sur le sujet, M. le maire, vu que ce n'est pas à l'heure du jour ou plus tard? C'est pas à l'heure du jour. Parfait. Ça serait tout pour les questions à l'heure du jour. Sinon, je reviendrai, vu qu'il y a encore du temps, peut-être aux questions d'ordre général. Il reste encore 15 minutes.
Question de M. Denis Meunier. Est-ce que le conseil municipal a statué sur la demande des résidents de la rue Fontainebleau? Sinon, à quel moment le fera-t-il et pourrions-nous en être informés? Alors, le dossier chemine, M. Ah. Saint-Onge. M. Thomas, vous avez un commentaire? Oui, je vois, si vous me permettez de répondre, on est dans mon district. Monsieur Meunier, oui, on a reçu votre pétition. Ça a été communiqué au service, au DG, puis au service d'ingénierie. On a une rencontre la semaine prochaine, puis le plan directeur du service d'ingénierie va être déposé, puis on va en discuter à ce moment-là. On va revenir pas longtemps après, donc je vous reviendrai sur ce dossier-là. On a pris connaissance de votre courriel au mois d'août, je pense au milieu du mois d'août quand je suis en vacances. Donc, vous allez avoir des nouvelles bientôt. À suivre. Prochaine question de M. Guillaume Chevalier, donc pas à l'ordre du jour nécessairement. Bonsoir. Après avoir reçu un avis d'infraction pour pelouse trop haute, nous voulons savoir ce qui suit sur le règlement 1059. Pour tous les avantages d'une pelouse longue, veuillez vous reporter à notre courriel du 14 septembre, sachant que le règlement est désuet. Pouvez-vous confirmer qu'il sera revisé bientôt? La révision prévoit, telle notamment la hausse ou l'annulation de la limite de 15 cm pour la pelouse. Quand prévoyez-vous reviser le règlement? En 2020-2021, plus tard. Quand devrions-nous communiquer avec vous pour un suivi? Merci, Guillaume Chevalier. Alors, écoutez, M. Saint-Onge, est-ce qu'il est prévu de revoir ce règlement? Présentement, il n'est pas prévu. Cependant, la suite du courriel de M. Chevalier sera communiquée au service d'aménagement du territoire, qui est le service d'où émanent les recommandations de modification de règlement. Et par la suite, il y aura des communications qui seront entamées avec monsieur et de voir maintenant par le conseil, par la suite, si des modifications sont souhaitées ou souhaitables au niveau du règlement. Excellent. Autre question. Une question de M. Jacques Morneau. Question de procédure des réunions du conseil. Est-il légal, lors d'une séance du conseil, de présenter un avis de présentation, puis d'enchaîner par une résolution pour adopter la résolution de ce même avis de présentation? Si techniquement ces pratiques sont légales, elles me semblent aller à l'encontre du but de faire un avis de présentation qui devrait donner le temps aux citoyens d'analyser la teneur de cet avis de présentation et de pouvoir intervenir avant que le conseil adopte ce qui est présenté quelques instants avant le vote du conseil. Je recommande que le vote sur les avis de présentation se fasse à la séance suivante du conseil afin de laisser le temps aux citoyens de pouvoir réagir à cet avis de présentation. Ceci me paraît être une pratique plus démocratique et évitant un exercice de rubber stamp de la part du conseil. Mais il faut savoir dès le départ que lorsqu'on le fait, pour l'adoption de la résolution, il y a un autre point qui passe. Alors, pour ce mois-là, les citoyens qui veulent s'informer, qui veulent poser des questions, ont la possibilité de le faire. C'est une méthode, je ne sais pas, M. Saint-Onge, c'est une méthode générale ou c'est unique à nous. Moi, je l'ai toujours vu ça comme ça. Monsieur Gilbert avait peut-être un point avant que vous répondiez, M. Saint-Onge. Voilà. Oh, ben, comme vous voulez, mais en fait, moi, je trouve que c'est démocratique et légit, parce qu'en plus, on fait l'avis, puis c'est un projet de règlement qu'on vient entériner tout de suite après. Donc, non seulement on vous en donne plus, donc on met de la viande autour de l'os, puis on dit, bien, voilà, notre intention nous conseille d'aller vers ce genre de règlement-là. Donc, après ça, c'est accessible. Est-ce que ce projet de règlement est accessible à tout le monde? Je pense que oui, c'est accessible sur le site Internet suite après. Je pense que, en tout cas, de ma perspective, c'est très démocratique. Pierre, peut-être me corriger si je me trompe, mais l'avis de présentation, si on attendra un autre mois, le citoyen n'aura pas plus accès aux documents puisqu'on va faire l'avis de présentation. Le fait, comme M. Gilbert le dit, qu'on le fait les deux en même temps, là, le document devient disponible. Est-ce que c'est le cas? En fait, c'est la procédure légale qui est suivie. L'avis de présentation, ce n'est pas une résolution qui est appuyée non plus. C'est un avis qui est donné par un conseiller à l'effet qu'un prochain mois, il y aura un règlement d'approuver, d'adopter. Mm-hmm. Mais le projet de règlement qui est adopté peut être changé entre les deux. Donc, les citoyens peuvent le consulter entre les deux. Il est disponible sur le site web. Il l'est même actuellement. Les projets de règlement le sont même actuellement. Mais s'il y avait juste un avis de présentation, le document ne sera pas disponible avant le mois prochain quand on fera la première présentation.
En fait, la loi exige que un projet de règlement qui va être adopté par le conseil soit disponible un peu d'avance, là, ce qui est fait actuellement. Là. Alors, c'est ça. Parfait. Alors, M. Morneau, je pense qu'on vous permet de consulter, puis vous avez encore un mois pour faire vos commentaires, s'il y a lieu. M. Saint-Onge? Oui, puis je voudrais juste compléter en disant que c'est même des fois plus qu'un mois. Exemple, pour les jardins en façade, c'est un règlement qui va s'adopter plus tard. Donc, c'est vraiment un projet qui est adopté qui permet l'ouverture justement à la démocratie, à l'échange avec les citoyens, une meilleure transparence qui a été ajoutée à la loi. Donc, c'est un processus tout à fait légal et même exigé par la loi pour voir à cette démocratie. Parfait. Merci. Oui, mais excusez-moi, là, mais monsieur, il y a quand même, Monneau a quand même raison parce que souvent qu'on dit dans la prochaine séance, on va présenter une résolution. Mais par façon, on le fait tout de suite après, une minute après. Donc, je ne suis pas sûr, là, ce qu'on s'en va avec ça. Ce qu'on dit, si vous me permettez, monsieur le maire, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un règlement qui sera adopté à une séance ultérieure. C'est sûr que le règlement va être adopté plus tard, mais ce qu'on dépose, c'est le projet. Donc, on dit, on donne un avis aux citoyens pour leur dire, on vous informe, dans le fond, qu'il y aura un projet, un règlement qui sera adopté à une séance subséquente. Maintenant, on présente le règlement en vous disant, vous pouvez en prendre connaissance immédiatement et souvent, lors de nos réunions, le règlement est déjà disponible en ligne. Et par la suite, à une séance subséquente, le règlement sera adopté dans les semaines, les mois ou les quelques mois qui suivront le règlement. Oui. Pierre, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? J'ai vu votre micro, non? OK. Autre question, M. Saint-Onge. Oui, madame, monsieur... Olivier Goyette. Bonjour, j'habite le quartier du Piémont. Mes enfants ont des amis dans le quartier boisé ensoleillé. La seule façon de s'y rendre, sans la voiture, est par un petit sentier entre les quartiers ou sinon par la 116 où aucun trottoir n'est en place. Dans les deux cas, je ne suis pas rassuré comme parent. Avez-vous un plan en cours afin de pouvoir relier ces deux quartiers, du moins par une voie piétonnière ou cyclable, afin d'assurer la sécurité de nos enfants? Merci. Ah, j'aime beaucoup votre question. Oui. Je peux vous dire, ce soir, vous allez voir, je ne sais pas à quel point, là, il y a une entente avec le promoteur à côté. Et avec ça, bien, ça va nous permettre justement d'aller de l'avant éventuellement avec notre projet de lier les deux quartiers par le milieu humide avec un petit pont qui nous amènerait sur la rue du Massif. De la rue du Massif, les gens pourraient aller chercher la lumière au coin du Massif et du Bon Laurier. Pour éventuellement soit aller à l'école ou aller au centre-ville. Alors, ce qui était impossible jusqu'à 19h ce soir, là, parce qu'on a eu la réponse tard, ben on pourra, en espérant qu'on pourra le faire très rapidement, parce qu'effectivement, vous êtes en attente de ça depuis des dizaines d'années. C'était problématique. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir, suite à la signature de l'entente, on va pouvoir commencer à négocier pour éventuellement faire ce projet-là, qui, j'espère, sera priorisé par nos services comme tel. Autre question? Oui, on a encore du temps. Alors, question de M. Ludovic Souillard. Bonsoir, M. le maire, mesdames et messieurs, les conseillères et conseillers. La vitesse et le non-respect du Code de la route sont malheureusement le quotidien de tous les résidents de Mont-Saint-Hilaire, sans exception. Ouais. Si ce sont les citoyens de la rue Marine qui réclament la fermeture de la rue pour ces raisons depuis des années, et puisque c'est eux uniquement qui profitent de cette fermeture, est-ce que ce sont eux également qui vont payer pour les études successives à travers les années, les travaux d'aménagement passés et ceux qui vont venir pour finaliser le projet? La seule chose qui nous reste à faire sur la rue Marine, ça va être la sécuriser au bout de la rue. Puis là, il y a d'autres des options, mais sécuriser pour pouvoir permettre aux camions de déneigement ou de tourner nos camions également. Alors, c'est la seule chose qui reste à faire, puis ça va être au frais de la ville, ça, c'est clair. Autre question, M. Saint-Onge? Oui, toujours de monsieur. D'après moi, ça continue, rumoring de M. Souillard, donc je me permets de juste faire le lien. Ouais. La question ici n'est pas le détour que cause la rumoring, mais la manière dont les décisions sont prises dans ce dossier. C'est le district 2 qui est celui qui est touché par la fermeture de la rumoring. Or, il n'y a pas de conseiller pour ce district depuis février 2020. Et par conséquent, plus personne pour représenter les citoyens de ce quartier. Comment se fait-il que des décisions de cette importance se prennent sans qu'il y ait un conseiller au poste
qu'au moins une consultation des autres habitants que celle de Leroy-Morine ait été effectuée? Ben, je pense que même si on n'a pas de conseiller dans le district, je peux vous rassurer que tous les conseillers sont interpellés par des citoyens du district. Moi-même, je suis interpellé régulièrement. Mais vous le dites, il y a des élections d'ici un an. Alors, le candidat qui se présentera dans le district numéro 5, ben, il pourra, lui, faire ses discussions avec son porte-à-porte, s'il y a porte-à-porte. Et il pourra amener le dossier éventuellement avec le nouveau conseil pour débattre de ce sujet-là. Alors, ça serait, bref, à revoir dans un an. Monsieur Saint-Onge. On va en prendre une dernière, puis on va aller... Oui, une question peut-être plus simple de Monsieur Olivier Goyette. Pas plus simple, mais plus courte, je dirais. La simplicité, on verra. Alors, bonsoir. Avez-vous une idée du moment où le sentier du Piémont sera terminé et ouvert au public? On vient de prendre une entente avec le dernier bout qui nous restait pour réaliser le sentier. Monsieur Saint-Onge, est-ce que, à la suite de cette entente, est-ce que le Centre de la nature prévoit de faire les travaux? Comment ça va fonctionner à partir de ce moment ici? Je pense que la meilleure chose sera de prendre la question à délibérer puis faire le suivi peut-être au début de séance prochaine pour monsieur, à moins qu'ils veulent rentrer en contact avec mon service, là, au service de l'aménagement. Ils pourraient avoir un suivi plus rapide. Une bonne réponse à donner à toute la population. Alors, M. Goyette, on va y répondre à la prochaine séance. On va aller chercher l'information. OK. Alors, on va passer à la séance régulière. Alors, on arrive au point numéro 3. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020 du Conseil municipal de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Je propose. J'appuie. Monsieur Tanner. Monsieur Hull. Numéro 4. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour approuver les bordereaux des comptes à payer numéro 2020-10A au montant de 3 265 046,87 $, incluant les cotisations à divers regroupements ou associations au montant de 1 413,42 $, numéro 2020-10B au montant de 2 152,52 $, numéro 2020-10C au montant de 350 423,63 $, numéro 2020-10D au montant de 191,44 $, ainsi que le rapport concernant les dépenses autorisées au cours de la période du 3 septembre 2020 au 30 septembre 2020. Le proposant. Je propose. Je propose. Monsieur Brault, tout le monde est d'accord? Oui. 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 Point numéro 5, ressources humaines, Madame Migny. Alors, je propose que le rapport des ressources humaines numéro 2020-10, préparé par Madame Annie Dionne, directrice du service des ressources humaines, en date du 30 septembre 2020 pour la période du 3 septembre 2020 au 29 septembre 2020, soit est approuvé par ce conseil. En appuyant. J'appuie. Monsieur Hull appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Numéro 6, modification au contrat de travail du directeur général. Madame Minier. Oui. Alors, je propose que ce conseil approuve les modifications proposées au contrat de travail du directeur général de la ville, M. Daniel-Éric Saint-Onge, et qu'il autorise le maire à signer le contrat ainsi modifié. Allons, j'appuie. J'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, vous allez me permettre ici de faire un petit commentaire. Moi, je ne voterai pas contre ni pour les raisons suivantes. J'ai eu une discussion avec le directeur général le matin qui m'a soumis un nouveau document. Alors, je vais repousser ma réflexion suite à ça. Mais je ne vous cacherai pas que je déplore énormément le fait que la décision ait été prise en quelques minutes, et ce, malgré ma demande de prendre le temps de faire une réflexion. La preuve, c'est que M. Gilbert, à titre d'exemple, a continué sa réflexion par la suite, même si la décision avait été prise.
Le seul document que nous avons eu le droit est l'étude de l'Union des municipalités du Québec qui détermine les salaires dans le domaine municipal. Moi, je trouvais que ce n'était pas assez. J'ai toujours accepté, depuis que je suis maire, de repousser une décision lorsqu'un membre n'était pas prêt. Mais les membres du Conseil ont une vision différente. Où est l'urgence? Je continue à croire qu'il aurait été préférable de donner un mandat à une firme externe afin d'évaluer le tout et nous faire une recommandation. Pourquoi aller si vite, surtout que la résolution parle d'accepter les modifications au contrat que personne n'a vu, seulement entendu les grandes lignes? Je ne connais même pas en ce moment-ci le pourcentage d'augmentation pour les prochaines années. Il y a eu des chiffres de 2,25 %, ce que j'aurais retrouvé dans le contrat, mais on ne l'a pas. Alors, pourquoi l'urgence? Ceci étant dit, est-ce que le directeur général méritait un rattrapage? J'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, il y a déjà une augmentation pour l'année 2021 de 33 000, soit 20 % en passant d'un salaire de 130 000 à 155 000 et les bénéfices passant de 6 000 à 14 000 pour un total de 163 000, soit tout près de 24 % d'augmentation. Ceci étant dit, j'ai fait quand même une analyse avec les cadres de la Ville, avec l'étude de l'Union des municipalités du Québec. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les cadres sont supérieurs à la moyenne. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça démontre qu'on paye bien nos employés. En conclusion, je suis entièrement d'accord que le salaire de M. Saint-Onge doit être ajusté. Son salaire doit être représentatif aux autres cadres, ce qui n'est pas le cas. Une réflexion, une analyse sérieuse aurait dû avoir, dont celle de faire de j'avais proposé de le faire sur 3 ans. On aurait pu le regarder. Je suis contre le fait que la décision s'est prise à un temps record, qu'il me manque des éléments pour moi pour prendre une décision finale. Surtout que je trouve, j'ai un malaise de donner 33 000 $ d'augmentation dans une période de pandémie où les gens ont perdu leur travail. Ceci étant dit, je veux rassurer le personnel et la population que la relation avec le DG continuera d'être harmonieuse quand nous sommes mis d'accord sur ce point ce matin. Vous n'avez pas à vous inquiéter là-dessus. Voilà. Alors, voici pour mes commentaires. Si vous me permettez, j'aimerais répondre à vos commentaires puis aussi rajouter mon bout. Oui. Comme je m'attendais à la réponse de M. le maire, j'ai préparé quand même un texte que je vais lire. Je suis surpris par la position prise par M. Corriveau au sujet de l'ajustement de salaire de M. Saint-Onge, directeur général de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. La relation entre le conseil et surtout le maire et le DG est sensible au bon fonctionnement de la Ville. Parfait. De plus, je suis particulièrement surpris car la relation entre le DG et le conseil est excellente et le niveau de confiance très élevé. Donc, pourquoi le maire démontrer le manque de confiance envers M. Saint-Onge en n'appuyant pas cette résolution? Il risque, en agissant ainsi, d'empoisonner sa relation avec M. Saint-Onge et, par conséquent, avec l'administration de la Ville. Cherche-t-il du capital politique? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est plutôt une question de bonne gouvernance qui est complexe et je vais m'expliquer. M. Saint-Onge a été embauché par la Ville au printemps 2019 après un exercice de recrutement rigoureux. Son salaire d'embauche était considérablement plus bas que la moyenne, selon des données fournies par l'UMQ, il était entendu qu'il y aurait un ajustement après une certaine période qui permettrait au conseil d'évaluer ses capacités d'administrateur et ses qualités de ressembleur, de gestionnaire, ainsi que son habileté à naviguer entre la politique et l'administratif. Voilà que nous y sommes. Le moment est venu de réajuster son salaire après 18 mois où M. Saint-Onge est en poste. Je peux vous confirmer, et je suis certain que mes collègues sont d'accord, que M. Saint-Onge a répondu à l'appel et a beaucoup dépassé les attentes. Il est un gestionnaire efficace, très organisé, connaît les rôles de tous les intervenants, que ce soit les directeurs de services ou les élus. Il connaît la loi et sait très bien tracer la ligne entre le politique et l'administratif. Depuis son arrivée, il a fait avancer plusieurs dossiers épineux, se démarquant notamment en gestion de crise. On a eu plus qu'une crise, si vous vous souvenez très bien. Il a établi un niveau de confiance et de respect vis-à-vis des employés, le conseil de ville et les citoyens.
M. Saint-Onge est très motivé, engagé au travail et dans la communauté et très fier de travailler à Mont-Saint-Hilaire. Il préconise des services aux citoyens de façon équitable et efficace. Ses dossiers avancent rapidement. Il cherche à résoudre les dossiers délicats par la négociation plutôt que par confrontation. Son style de leadership est transformationnel et ça se voit dans le traitement des dossiers tels que ceux de l'ingénierie, les services de loisirs et le greffe. M. Saint-Onge dégage la confiance, le respect, la clarté et surtout il maîtrise ses dossiers. Il a une mémoire phénoménale. Au début de mon engagement citoyen, j'ai senti une méfiance de la part de plusieurs citoyens envers l'administration. Mais depuis l'arrivée de M. Saint-Onge, je note un changement important au niveau de confiance qui s'installe. Je vois un service de communication, la ville, qui communique les informations importantes pour les citoyens plutôt que de vanter les réalisations des élus ou des questions politiques. Je vois un service d'urbanisme qui est plus à l'écoute des citoyens et sensible aux enjeux particuliers de Mont-Saint-Hilaire et qui donne l'heure juste sur des dossiers compliqués. Je vois un service des travaux publics qui répond aux besoins des infrastructures et fier de leur ville. Un service des finances transparent, et j'en passe. Au sujet de l'ajustement de son salaire, nous nous sommes basés sur les données fournies par l'UMQ pour les villes de population entre 10 000 et 25 000. Et en se comparant avec les villes de la région, je nomme Sainte-Julie, Belœil, Saint-Basile-le-Grand, Varennes, Saint-Bruno et Sainte-Catherine. L'ajustement que nous offrons à notre DG sera 9 % en bas de la moyenne des salaires des DG des villes mentionnées ou 4 % en bas de ces mêmes villes si on enlève les deux salaires les plus hauts, mais dépassera de 5 % la moyenne des salaires des DG des villes semblables pour tout le Québec selon l'étude de l'UMQ. Compte tenu des enjeux particuliers à Mont-Saint-Hilaire, l'engagement des citoyens et la qualité de la personne, je trouve que payer notre DG 5 % en haut de la moyenne du Québec n'est pas exagéré pour fidéliser un dirigeant de grande qualité. L'UMQ publie ses données pour aider les conseils de ville à établir les salaires des DG, éliminant la nécessité de travailler avec des consultants en ressources humaines qui utiliseraient les mêmes données. Selon M. Corriveau, nous aurions pris une décision trop rapide. Je ne suis pas d'accord que nous avions toutes les données en main pour prendre une décision éclairée. Merci. Ah, écoutez, mais je vais répondre quand même à monsieur Tanner. Tous les compliments que vous avez faits à M. Saint-Onge, je suis entièrement d'accord avec vous. Puis je le dis, je vais le répéter, je ne mets pas en doute le travail de M. Saint-Onge ici. Je mets juste en doute, pas en doute, mais je n'ai pas assez d'éléments à ce moment ici, moi, pour dire que ce montant-là, il est juste. Alors, on a pris une décision en quoi ça a pris 5 minutes. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur. On a parlé à deux différentes réunions. On a parlé avec vous. On a même demandé, monsieur Grenon-Gilbert vous a demandé d'expliquer votre raisonnement, de prendre votre point de vue. Vous avez refusé, de présenter vos arguments. Parce que vous aviez une condition qu'on ne pouvait pas. Il fallait que nous, on soit prêts à tout changer. On avait déjà pris une décision. Attention, là, vous mélangez. Là. Lorsque M. Gilbert a amené le dossier, puis a amené, la décision était prise. La confirmation à M. Saint-Onge, elle était faite. Alors, vous ne pouvez pas me demander de vous trouver des arguments pour changer votre idée. L'idée était même confirmée. Si effectivement, puis je l'ai dit avec M. Gilbert, si dans la première ou dans la deuxième question, période où on en a discuté, la décision n'avait pas été prise, je vous aurais donné tous mes arguments que j'avais été chercher, toute l'information que j'avais été chercher pour vous l'expliquer. Mais la décision était prise. Je ne perds pas de temps à parler quand la décision est prise. Ben, je m'excuse, mais vous vouliez réfléchir à la question. Oui. Vous êtes revenu une semaine plus tard. On a demandé, Émile a fait des recherches, Émile nous a partagé ses recherches et on attendait justement votre discussion de manière à nous expliquer. Et c'est vrai que vous nous avez demandé si on était prêt à changer d'idée, vous allez nous expliquer la chose, sinon vous ne vouliez pas le faire. Donc, on était ouvert à vous entendre, même si on avait pris une décision avant, mais je m'excuse, vous n'aviez qu'à parler.
Mais vous avez refusé de parler oui. Si on, à une condition qu'on change d'opinion. Alors, c'est sûr que dans une affaire comme ça, c'était illogique. Ben, je regrette, mais c'était ça pareil. J'ai dit que j'étais prête à partager dans la mesure. Vous êtes parti à la deuxième parce que vous êtes parti vers 8 heures, mais nous, on a continué à travailler sur le dossier et pendant au moins 2 jours, je regrette. Et non pas pendant une journée ni en 5 minutes comme vous prétendiez de l'être. Ben, c'est certainement, mais vous préférez toujours vous soustraire à tout pour vous donner une bonne figure devant tout le monde. C'est tellement faux ce que vous dites. Mais je ne suis pas une menteuse. Non, mais un peu de politesse, s'il vous plaît, là. C'est vous qui changez toujours la vérité pour vous donner raison. Mais c'est faux ce que vous dites. Regardez, la population jugera. Puis d'ailleurs, M. Gilbert a demandé la parole. Et M. Gilbert, je veux vous féliciter pour au moins avoir fait cette réflexion-là par la suite, même si la décision avait été prise. Allez-y. Donc oui, merci. Juste faire un petit récapitulatif. La discussion a été amenée lundi le 14 septembre. Il y a eu une discussion d'environ une heure et demie sur le sujet. Ensuite, la journée d'après, mardi le 15 septembre, il y a eu une autre discussion sur le sujet, environ une heure et demie, 2 heures, encore une fois. Et il y a eu une autre discussion, un moment où est-ce qu'on aurait pu s'exprimer le 28 septembre sur le sujet. Et ben, c'est finalement l'endroit que finalement M. Corriveau a décidé de ne pas émettre son opinion. De ma perspective, moi, je suis très à l'aise avec la décision que le Conseil va prendre pour la simple et bonne raison que Louis a déjà évoquée. La grille que l'UMQ a mis accessible à l'ensemble des conseils de ville, c'est justement pour éviter d'engranger des frais que les consultants font tout le temps la même chose. Ils vont regarder la grille, puis ils checkent, ah, ben telle ville est rendue à temps, telle ville est à temps, telle est l'augmentation, c'est quoi les villes comparables. Fait que pour éviter ça, ben, on est capable d'aller straight to the point, puis d'arriver avec un salaire qui est dans la moyenne, finalement, des villes qui sont semblables. Cette étude-là, c'est de 3 000 à 4 000 $. En fait, moi, de mon côté, j'ai fait aussi beaucoup de demandes à d'autres municipalités, des villes plus grosses, plus petites, pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Il y en a souvent, les plus grosses vont faire affaire avec un consultant. Les plus petites vont faire affaire avec le conseil et la liste que l'UMQ rend disponible. Et pour toutes ces raisons, je suis très à l'aise parce que, Louis le signifiait, on est un petit peu plus que la moyenne québécoise. On est sous la moyenne des villes comparables. Il y a un moment donné, l'enjeu aussi de l'expérience était venu sur l'ordre du jour, mais pour moi, plus important que l'expérience, c'est le rendement. Donc, est-ce que l'employé donne un rendement? Et pour ma part, de ma perception, c'est rempli. Par la suite, voilà, ça ressemble à ça. Finalement, dans tout ce processus-là, je crois que l'ensemble du conseil et le maire devraient, écouter, bien sûr, amener les points. Moi, j'ai une vision un peu utopique de la démocratie que même si l'autre personne a un point que tu ne veux pas entendre, bien, écoute-le pareil, puis au pire, tu ne seras pas d'accord. Mais au moins, discutons. Puis de prendre cette possibilité-là, de prendre le POC, puis d'amener son point de vue. Plusieurs reprises, moi aussi, des fois, j'amène des points de vue. Ce n'est pas partagé par mes collègues, mais ce n'est pas grave, je l'amène pareil. Donc voilà, donc, pour toutes ces raisons-là, je suis très à l'aise avec la décision prise par le conseil. Puis, merci. Moi, j'ai une question pour vous, M. Gilbert. Quelle a été la différence d'avoir pris 2, 3 semaines, 1 mois je avant pense qu'il y avait la décision finale? Absolument rien. Bon, alors c'est ça, je soulève. Autre commentaire? Oui, j'aimerais un commentaire. De toute façon, vous avez ouvert le droit de parole dans la première rencontre, vous avez préféré vous retirer. Et puis, j'aimerais quand même soulever des points que vous avez dit qui ne sont pas tout à fait justes. Effectivement, le salaire, c'est 155 000 qu'on propose à M. Saint-Onge, avec des avantages de 8 000 et non de 14 000. C'est bien 8 000. Et puis, le pourcentage que vous avez semblé ignorer, M. le maire, c'est 2,25 % par année qu'on lui propose. Cette demande-là, proposition-là a été envoyée par courriel le 9 septembre à 21h15, et vous étiez dedans. Alors, j'aimerais vous faire cette décision-là. Et puis, moi, je suis d'accord avec ce que M. Grenon a émis, et également ce que je partage l'opinion de M. Turner là-dessus. Pour le vote 2,25, pourquoi je n'étais pas sûr, malgré le courriel que vous mentionnez,
c'est que j'ai eu des discussions avec le directeur général pour dire qu'il y avait, on donnait 2 % aux employés, en donnant 2,25, on vient d'augmenter automatiquement une annonce de 0,25 de plus. Alors, puis M. Saint-Onge avait dit qu'il était pour y réfléchir. Alors, j'attendais la réponse de ça. Et si j'avais eu le contrat entre les mains ce soir, j'aurais pu le constater qu'il n'y a pas le cas. Bon, autre commentaire? Alors, on va passer au point numéro 7, embauche d'un poste de contremaître relève, M. Brault. Vous êtes sur mute, M. Brault. Considérant l'ouverture d'un concours afin de combler le poste de contremaître de relève au service des travaux publics, considérant que le comité de sélection juge que M. Marien possède l'expérience pertinente pour occuper ce poste, je propose que ce conseil embauche M. Lancelot Marien au poste de contremaître de relève aux travaux publics suivant la politique de travail et salariale des cadres de la ville de Mont-Saint-Hilaire, classe 5, échelon 8, et ce, à compter du ou vers le 6 octobre 2020. Que cette embauche soit faite selon les conditions indiquées au rapport de Mme Annie Dion, directrice du service des ressources humaines, en date du 17 septembre 2020. Qu'il y a des crédits disponibles, tels qu'en fait la loi de le certificat de la trésorière, en date du 29 septembre 2020. Un appui. J'appuie. Je t'en ai un appui. Tout le monde est d'accord? Oui. J'aimerais rajouter un petit point là-dessus. Je souhaite la bienvenue à M. Marien aussi au sein de notre service des travaux publics à Mont-Saint-Hilaire. Tout à fait. Point numéro 8, embauche au poste de préposé, M. Hull. Je propose que ce conseil embauche Mme Alejandra Guevara au poste régulier de préposé au permis au service de l'aménagement du territoire et de l'environnement, classe 10, suivant la convention collective de travail col blanc de la ville de Mont-Saint-Hilaire et ce, à compter du ou vers le 19 octobre 2020. Que cette embauche soit faite selon les conditions indiquées au rapport de Mme Alivion, directrice des services des ressources humaines, en date du 30 septembre 2020. Alors, en appuyant. J'appuie. Ben, M. Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Je voudrais juste souhaiter la bienvenue à Mme Guevara. Oui, tout à fait. Merci. Point numéro 9, nomination de membres au sein d'un comité, M. Gilbert. Je propose que ce conseil nomme Mesdames Marie-Noëlle Tanguay et Brooke Verville à titre de membres citoyens au sein du comité des saines habitudes de vie de la ville de Mont-Saint-Hilaire, et ce, du 6 octobre 2020 au 8 octobre 2022. J'appuie. Madame Minier appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. J'aimerais peut-être prendre un petit moment pour tout d'abord les souhaiter bienvenue à Mme Tanguay et Mme Verville, et aussi de féliciter le travail de M. Croteau, Danny Croteau, qui malheureusement nous quitte pour un cheminement scolaire. Il s'en va en médecine à l'Université McGill. Et Louis-Félix Bousquet, qui était notre côté lien avec la communauté étudiante qui enseigne à l'école secondaire, et qui nous quitte malheureusement pour une autre municipalité, donc ne peut plus rester sur le comité. Mais ces deux personnes-là ont travaillé extrêmement fort sur le parcours actif de la gare jusqu'à l'hôtel de ville, et on voit comment que ça s'est utilisé énormément en temps, surtout de pandémie et de confinement. Ça donne un havre de paix, du moins, et d'exercice pour l'ensemble de la population. Donc, merci, messieurs. Excellent. Point numéro 10, désignation des représentants de la Couronne Sud au poste d'administrateur au conseil d'administration du réseau de transport métropolitain, ce qu'on appelle EXO. Monsieur Thomas. Je propose que ce conseil désigne les représentants de la Couronne Sud suivants pour les postes d'administrateur au conseil d'administration du réseau de transport métropolitain. Madame Suzanne Roy, mairesse de la ville de Sainte-Julie. Madame Diane Lavoie, mairesse de la ville de Belleuil. Monsieur Donna Serre, maire de la ville de La Prairie. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise au secrétariat d'EXO ainsi qu'à la table des préfets et élus de la Couronne Sud. J'appuie. Monsieur Brault appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ben, écoutez, comme renseignement additionnel, je pourrais vous donner ces trois représentants sont déjà à la table d'EXO depuis tout début. Il va y avoir deux négociations à faire dans les prochaines années. Alors, c'est des personnes toutes désignées pour nous représenter.
Point numéro 11, remboursement anticipé de la dette à long terme, M. Brault. Je propose que ce conseil autorise de rembourser par anticipation la dernière échéance du renouvellement prévu en novembre 2020 de la dette à l'ensemble des quatre communs suivants, et ce, à même du poste budgétaire 02-911-00-810, le règlement 1047 pour un montant de 276 400, le règlement 1055 pour un montant de 6 900, le règlement 1058 pour un montant de 179 800, le règlement 1071 pour un montant de 51 700, que ce remboursement soit fait en conformité avec la recommandation de Mme Sylvie Lapin, directrice du service des finances et trésorières, contenue dans son rapport en date du 22 septembre 2020. Alors, un appuyant. J'appuie. Monsieur Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui, bien sûr. Alors, peut-être pour ajouter, ce que vous devez savoir, c'est par notre politique de la gestion des réserves financières, nous en avons un pour rembourser les dettes, lesquelles sont à leur dernier versement, dernier renouvellement. Ici, on sauve naturellement des intérêts. Alors, on fait ça à chaque année depuis que je me souviens. Alors, point numéro 11 est fait. Point numéro 12, affectation des excédents et réduction du refinancement de règlement d'emprunt. M. Houle. Alors, je propose que ce conseil approuve l'affectation des excédents en réduction du refinancement des emprunts des règlements suivants, le règlement 1179, règlement autorisant des travaux d'aménagement d'une piste cyclable sur le chemin de la montagne, et le règlement 1179-1, règlement modifiant le règlement numéro 1179 afin d'augmenter la dépense de l'emprunt prévu au règlement numéro 1179 pour un montant total de 23 100 $, le règlement 1196 pour le règlement décrétant des travaux d'infrastructure d'égout sanitaire de voirie pour un montant de 22 202,35 $, le règlement 1197, c'est le règlement décrétant des travaux de correction ponctuelle de déficience des égouts sanitaire et fluvial pour un montant de 422,43 $. Le règlement 1209, le règlement décrétant des travaux en immobilisation touchant l'aménagement de la réfection des parcs et des espaces verts pour un montant de 8 369 $. Et le règlement 1210, décrétant des travaux de reconstruction d'infrastructures, d'égouts sanitaires et d'aqueducs et de voiries pour un montant de 20 639 $. Que l'affectation des excédents en réduction du refinancement des emprunts soit faite en conformité avec la recommandation de Mme Sylvie Lapalme, directrice du service des finances et trésorières, contenue dans son rapport en date du 17 septembre 2020. En appuyant. J'appuie. M. Tanner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Au numéro 13, une entente de partage du fonds local réservé à la réfection et entretien du chemin des carrières. Mme Minier. Alors, je propose que ce conseil approuve le plan d'action et le budget 2021 défini à l'annexe A, jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Le tout est conformité avec la recommandation de Mme Sylvie Lapalme, directrice du service des finances et trésorières, contenue dans son rapport en date du 21 septembre 2020. Alors, en appuyant. J'appuie. Monsieur Tanner appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'avec la carrière, on a des redevances. La carrière de Mont-Saint-Hilaire, et qui sert à l'entretien, entre autres, de la route des carrières. Alors, on a en sol actuellement 619 000 $. Point numéro 14, aide financière, M. Tanner. Je propose que ce conseil autorise la Ville de Mont-Saint-Hilaire à verser une aide financière au montant de 300 $ à la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire, représentant la somme requise pour une demi-page de publicité dans la prochaine publication du cahier d'histoire de la société, le cahier 422, que cette dépense soit payable à même le poste budgétaire 02-795-70-975 et qu'il y a des crédits disponibles, quel qu'en fait foi le certificat numéro 2020-17 émis par Mme Sylvie Lapalme, directrice du service des finances et trésorières, en date du 29 septembre 2020. J'appuie. Mme Minier appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Numéro 15, dépôt d'une demande, M. Gilbert.
Donc oui, une demande très intéressante de demander de bonifier la garde de nos enfants lors de la semaine de relâche. C'est un programme gouvernemental. Donc, je propose d'autoriser la demande de soutien financier dans le cadre du programme « Soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale » afin d'augmenter l'offre de garde pour les enfants d'âge scolaire pour l'année 2021. J'appuie. Madame Migny appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Numéro 16, adhésion à une demande, Madame Migny. Alors, je propose que la ville de Mont-Saint-Hilaire s'engage à participer et adhère au projet pour réaliser une politique et un plan d'action pour la municipalité régionale du comté de la Vallée-Richelieu en faveur des aînés et s'engage à mettre à jour pendant sa politique et son plan d'action local municipal Amis des aînés, le MADA. Que la ville de Mont-Saint-Hilaire autorise le dépôt par la MRC VR d'une demande de soutien financier sur une base collective dans le cadre du programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés. Soutien à la réalisation des politiques et de plans d'action en faveur des aînés. Que ce conseil nomme la MRC CVR, organisme responsable du projet. Que ce conseil autorise que les travaux soient réalisés sous la coordination de la MRC VR. Que Mme Elisabeth Quentin, chef de division loisirs et aquatiques au service de loisirs de la culture de la ville de Mont-Saint-Hilaire, soit et mandatée pour et au nom de la ville pour chapeauter avec le comité de suivi de la politique de la famille des aînés, les travaux de la mise à jour de la politique et du plan d'action. Que son conseil nomme Mme Brigitte Minier, conseillère municipale à la ville de Mont-Saint-Hilaire, à titre d'élu responsable au dossier des aînés. J'appuie. Monsieur Hull appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Et oui. Alors, la résolution de la MRC devrait être adoptée jeudi. On a une séance publique jeudi soir. Alors, point numéro 17, contrat de location des patinoires, Monsieur Gilbert. Donc, c'est la patinoire Sportscène. À chaque année, la ville alloue à cet endroit-là des heures pour le patinage libre et autres. Donc, je propose que ce conseil approuve le contrat à intervenir avec la société de gestion CRL Inc. concernant la location des patinoires 1 et 2 du complexe sportif Sportscène pour la saison 2020-2021 au tarif de 293 $ l'heure, incluant les taxes, pour un total de 34,25 heures par semaine pendant 30 semaines. Pour les activités suivantes, hockey 17 heures, patinage artistique 9 heures, patinage libre 5,25 heures et ringuette 3 heures. Que les frais de location pour le mois de septembre à décembre 2020, décrits aux bonnes commandes au montant de 160 379 incluant les taxes, soient payables à même le poste budgétaire et qu'il y a des crédits disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée conformément au règlement et les règles de contrôle de suivi budgétaire. Voilà. J'appuie. Alors, monsieur, on l'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Je vous demanderai aux gens de vous mettre sur mute parce que, comme monsieur Tonner a toussé tantôt, TVR9 va vous chercher puis on enlève monsieur Gilbert pendant ce temps-là. Alors, mettez-vous sur mute puis vous ajouterez en temps et lieu. Point numéro 18, prévision budgétaire pour l'année 2021 de la Régie intermunicipale de la sécurité incendie. Monsieur Brault. Considérant que le 9 septembre 2020, le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu a adopté ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2021. Considérant qu'une copie de ces prévisions budgétaires a été transmise à la ville de Mont-Saint-Hilaire. Considérant que ces prévisions budgétaires doivent être soumises pour approbation à chacune des organisations municipales membres de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu. En conséquence, je propose que ce conseil approuve les prévisions budgétaires pour l'année 2021 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu, telle qu'adoptée par son conseil d'administration le 9 septembre 2020. Que la participation financière de la ville de Mont-Saint-Hilaire pour l'exercice financier 2021 soit de 2 351 097 $ et que la trésorière soit autorisée à verser lorsque requise. En appuyant. J'appuie. Monsieur Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors peut-être pour le bénéfice des citoyens qui nous écoutent, le budget a augmenté de 2,99 %. Les cotes-parts, ça, c'est une bonne nouvelle. Les cotes-parts augmentent de 0,60. Et Mont-Saint-Hilaire augmente parce qu'il y a un jeu de calcul
Mont-Saint-Hilaire augmente de 0,213. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle. Puis pourquoi qu'on a pu réduire les dépenses comme ça? Bien, il y a eu plusieurs postes qui étaient revus pour réduire les coûts. Il y a eu des abolitions de postes à l'état-major. Et dans le PTI pour 2023, bien, il y a naturellement la construction de la caserne de Belœil, là, je vais avoir la chance de vous reparler prochainement. Et voilà, point numéro 19, grille des critères d'évaluation de pondération, M. Tanner. Je propose que ce conseil approuve la grille des critères d'évaluation et de pondération des offres de services professionnels en évaluation foncière, laquelle grille est jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Que la grille des critères d'évaluation et de pondération des offres de services professionnels en évaluation foncière adoptée par le biais de la résolution 2020-289 est abrogée et remplacée par la grille mentionnée ci-dessus. En appuyant. J'appuie. Monsieur Ollappuy, tout le monde est d'accord? Oui. Numéro 20, appui à la municipalité de Sainte-Hélène de Kamouraska. Madame Minier. Alors que ce conseil appuie la municipalité Sainte-Hélène de Kamouraska et demande au gouvernement du Québec et du Canada de tout mettre en œuvre pour que les réservoirs de protection incendie soient à nouveau admissibles dans le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, le TEC, 2019-2023. Que ce conseil demande l'appui de toutes les municipalités régionales du comté MRC et de toutes les municipalités du Québec ainsi que de la Fédération québécoise des municipalités FQM. Une copie de la présente résolution soit transmise aux députés provinciaux du comté Borduan et Chambly, M. Simon Jolin-Barrette et Jean-François Roberge, et aux députés fédéraux de Belœil-Chambly, M. Yves François Blanchet. J'appuie. M. Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, il faut savoir que pour les petites municipalités, les réservoirs d'incendie, c'est important. Ils en ont beaucoup besoin parce qu'ils n'ont pas nécessairement des bornes d'incendie. Et comme c'était exclu de la TEC, ben alors eux, ils disent au gouvernement ben, qu'ils voudraient qu'ils la rajoutent. Alors, on les appuie dans ce sens-là. Numéro 21, pour un mandat professionnel, M. Gilbert. Oui, il s'agit d'un mandat professionnel pour représenter la ville, la municipalité dans un cas que c'est, un citoyen qui a un terrain sur la rue Rouillard et qui se situe à moins de 300 mètres de la gare, d'une gare de triage. Donc, selon un règlement de la MRC, il ne pourrait pas se construire. Donc, la ville doit se défendre. Donc, je propose que ce conseil mandate la firme Bélanger-Sauvé afin de représenter la ville de Mont-Saint-Hilaire dans la cause portant le numéro 757-0038-18-204 devant la Cour supérieure du Québec. En appuyant. J'appuie. Madame Minier, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, il faut savoir que c'est le même avocat que la MRC, parce que la MRC également est poursuivie dans cette cause-là. Numéro 22, autorisation de signature, M. Ollier. Vous êtes sur mute? Oui. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Ouais. J'avais une conversation avec moi-même. Alors, c'est une entente suite au projet pour la H60. Avant de débuter la lecture de la résolution, j'aimerais apporter... Sylvain, attends deux secondes. Je demande à M. Saint-On de partir de ce point-là. Donc, M. Brault, vous déclarez votre intérêt pécuniaire dans le dossier. Vous devriez juste en faire la déclaration, s'il vous plaît. Exactement. Oui. Allez-y, M. Brault. Okay. On a un conflit éventuel. Allez-y, M. Brault. Alors, avant, j'aimerais apporter quelques informations supplémentaires sur cette entente de principe. C'est pas une entente avec le promoteur. C'est pas une entente promoteur, mais ça substitue un petit peu, ne substitue pas l'entente promoteur. Cette entente-là vise les points, les éléments suivants. C'est surtout un échange de terrain pour la réalisation des travaux, l'engagement sur la densité maximale, l'identification des terrains pour fin de parc et la cession pour des milieux naturels. Puis nous, ce qu'on regarde, c'est les principaux gains. Il y a un encadrement de la densité
par l'imposition d'un seuil maximal, un seuil de 40 logements à l'hectare. La conservation des boisés, la conservation du milieu humide là, qui se situe dans cette zone-là, le lien avec le transport actif, comme mentionné en début de rencontre, la piste cyclable entre le boisé ensoleillé et la rue du Massif, également des liens avec les aménagements de sentiers en piémont. On veut relier le quartier avec le sentier là, par l'achat de terrain ou l'échange de terrain surtout. Donc, somme toute, nous aurons un maximum sur la densité et des gains significatifs pour les parcs et milieux naturels, ce qui représente environ 35 % de la superficie du site. Alors, ceci dit, alors je propose que ce conseil autorise le maire ou en son absence, le maire suppléant et le directeur général à signer pour et au nom de la ville l'entente de principe à intervenir entre la ville de Mont-Saint-Hilaire et Bercard Immobilier Incorporé, Ferme et Caisse Excalibur Reining Incorporé et 9207-0440 Québec Inc. sur l'acceptation préliminaire du projet du domaine Flanc Nord et la cession et l'échange de terrain en vue de sa réalisation. En appuyant. J'appuie. M. Gilbert appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Au numéro 23, correction d'un procès-verbal, Mme Minier. Alors, il est proposé que le conseil accuse réception du procès-verbal de correction relatif au règlement numéro 1294. Excuse, juste un instant, je vais faire revenir. Ah, ben oui. Ah oui, Jean-Pierre. C'est bon. Merci. Je suis revenu. Alors, M. Brault, on est rendu au point 23 pour une correction dans un procès-verbal. OK, alors je recommence. Je propose que ce conseil accuse réception du procès-verbal de correction relatif au règlement numéro 1294 émis par la greffière en date du 24 septembre 2020, apportant une correction au premier paragraphe du dit règlement en précisant la référence de l'article de la loi sur les cités et villes qui est mentionné. Un appuyant? J'appuie. M. Brault appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point 24 concernant une assemblée publique, M. Brault. OK. Assemblée publique de consultation concernant les règlements des projets de règlement numéro 1235-10, 1235-11 et 1237-1. Concernant qu'en raison du contexte exceptionnel endurant la COVID-19, les assemblées publiques de consultation prévues le 28 septembre 2020 concernant les premiers projets suivants ont été annulés. Le projet de règlement 1235 est intitulé Règlement amendant le règlement de zonage numéro 1235 afin d'encadrer l'aménagement des jardins potagers. Le règlement 1235-11 est intitulé Règlement d'amendement le règlement de zonage 1235 afin d'ajouter certaines définitions et de modifier les dispositions relatives aux travaux de remblai, de déblai ou de décapage. Projet de règlement 1237-1 intitulé Règlement amendement, amendant le règlement des usages conditionnels du règlement de l'urbanisme 1237 afin d'exiger une autorisation pour les travaux de remblai de décapage. Considérant la situation évolutive relative à la COVID-19, en conséquence, je propose que ce conseil statuera aux modalités de consultation qui seront mises de l'avant concernant les projets de règlement 1235-10. 1235-11, 1237-1 à la séance ordinaire du conseil municipal qui se tiendra le 7 décembre 2020 à 19h30. J'appuie. C'est un appui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Numéro 25, lotissement et cession pour fin de parc, M. Tonner. Pardon. Je propose que ce conseil approuve le plan cadastral parcellaire préparé par M. Roque-Mathieu à Panthère-Géomètre, daté du 15 septembre 2020, portant le numéro de minute 17208 dans le cadre du projet de subdivision du lot 3954-989 au cadastre du Québec au 508 rue de l'Art des Ormeaux en deux lots distincts, soit le lot projeté 6395239 au cadastre du Québec, identifiant le terrain de la résidence existante et le lot projeté 6395240 au cadastre du Québec, ayant pour but de créer un lot permettant la construction d'une nouvelle résidence. Que la présente demande est approuvée en conformité
avec la recommandation de M. Benoît Larivière, directeur du service de l'aménagement du territoire et de l'environnement, contenue dans son rapport en date du 22 septembre 2020. Que le propriétaire verse à la Ville de Mont-Saint-Hilaire une somme de 19 200 $, représentant 10 % de la valeur marchande du nouveau lot créé, soit le lot projeté 6395240 au Cadastre du Québec à titre de cession pour fin de parc, tel que requis en vertu du règlement de lotissement numéro 1232 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et selon le plan mentionné ci-dessus. En appuyant. J'appuie. M. Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Numéro 26, servitude de conservation et zone de remembrement. Madame Vigny. Bon, alors il est proposé que ce conseil autorise la signature d'un acte de servitude réelle et perpétuelle de conservation et de non-construction pour les lots au cadastre du Québec d'une superficie de 92 062,31 m², 9,2 hectares en faveur des lots désignés fonds dominants appartenant au Centre de conservation de la nature Mont-Saint-Hilaire, que la présente résolution est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Benoît Larivière, directeur au service de l'aménagement du territoire et de l'environnement, contenu dans son rapport en date du 22 septembre 2020, que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer tout acte donnant effet à la présente devant un notaire de l'étude Pétrin Réal, notaire dont les frais seront assumés par le Centre de conservation de la nature de Mont-Saint-Hilaire. En appuyant. J'appuie. M. Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, pour situer les citoyens, ces lots-là, là, c'est dans le bout du pavillon de la Pomme. La bonne nouvelle, c'est que ce soir, on vient de protéger à vie 9,2 hectares. Alors, ça, c'est... On continue. On en a sauvé beaucoup depuis 7 ans et on continue. Numéro 27, désignation d'un lot, M. Gilbert. Merci. Donc, la désignation du lot en question, c'est pour venir boucler la boucle, finalement, d'une question d'un citoyen au tout début du sentier Piémont. En fait, on avait tous les terrains qui avaient été acquis et il y en a un qu'on n'avait pas réussi à acquérir. Et là, par expropriation, il y a de cela un mois, du coup, au mois d'août, nous sommes propriétaires officiellement de ce terrain-là. Et là, qu'est-ce qu'on vient faire, finalement? C'est juste de mettre, de désigner réserve naturelle à perpétuité là, pour le protéger à jamais. C'est situé là, du côté de la rue Chardonneret, le côté flanc nord carrément de la montagne. Ça relie le foyer Savoie et le collège Saint-Hilaire. Donc, je vais comme ce suit. Je propose que ce conseil confirme par cette résolution sa volonté ferme d'obtenir la reconnaissance des réserves naturelles à perpétuité pour le lot 6 306 841 au Cadastre du Québec, situé en Piémont de Mont-Saint-Hilaire, et enclenche les procédures visant à faire reconnaître le dit lot comme réserve naturelle au sens de la loi sur la conservation du patrimoine naturel et de déposer une demande en ce sens au ministère de l'Environnement. J'appuie. Qui a appuyé? Je n'ai pas entendu. Monsieur Hull. Monsieur Hull. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 28 concernant une certitude réelle, M. Gilbert. Donc, tantôt le désigné, maintenant on fait la servitude. Donc, je propose que ce conseil autorise la signature d'un acte de servitude réelle et perpétuelle de conservation et de non-construction pour le lot 6 306 841 au Cadastre du Québec d'une superficie de 12 000 m² en faveur d'un lot désigné fonds dominant appartenant au Centre de la nature. J'appuie. Alors, M. Thomas appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Numéro 29, concernant la trame générale du projet de développement de l'aire TOD 2, M. Hull. Alors, considérant le dépôt de la demande pour l'évaluation de la trame générale du projet du développement du TOD 2 selon les objectifs du programme particulier d'urbanisme de l'aire TOD du secteur de la gare, considérant que le programme particulier d'urbanisme de l'aire TOD du secteur de la gare est un outil de planification détaillé faisant partie intégrante du plan d'urbanisme numéro 1230. Considérant les propriétaires des terrains de l'aire TOD 2 ont amorcé la planification détaillée pour la mise en œuvre du projet en jetant les bases d'une structure de gestion de projet pour les unités de planification 2 et 3 de la section 3.2 du PPU. Considérant les recommandations du CCU 2004-28-27 et CCU 2005-26-21 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire,
considérant qu'il est prévu de déposer un plan quinquennal auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le but d'autoriser le prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs municipaux afin de desservir ce nouvel ensemble résidentiel. Considérant qu'une autorisation du projet au moyen d'un plan quinquennal est une mesure de développement durable qui permet de mieux cerner les enjeux environnementaux à plus grande échelle, considérant que le projet de prolongement des infrastructures du secteur TOP 2 implique une demande d'autorisation du MELCC, considérant que le mandat d'ingénierie pour le plan directeur des infrastructures et pour la demande d'autorisation quinquennale était confié à la FIM GID incorporée. En conséquence, je propose que ce conseil approuve la trame de développement proposée sous réserve des objectifs visés par la recommandation CCU 2004-28-27 et CCU 2005-26-21, notamment ce qui concerne les axes de circulation et la trame de développement en général du projet développement TOT 2, que ce conseil autorise la firme GBI incorporée à soumettre pour et au nom de la ville de Mont-Saint-Hilaire toute demande d'autorisation et ou d'approbation auprès des différents paliers gouvernementaux tels que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Pêche et Océans Canada, ainsi que tout autre ministère et qu'elle soit habilité à soumettre tous les documents et renseignements nécessaires à cette demande d'autorisation. Que la ville de Mont-Saint-Hilaire s'engage à transmettre au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques que dans les 60 jours suivants, la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité avec l'autorisation accordée de la ville, que la ville de Mont-Saint-Hilaire s'engage à entretenir des ouvrages de gestion des eaux pluviales et de tenir un registre d'exploitation et d'entretien, que la présente résolution abroge la résolution 2020-308. J'appuie. Alors, M. Brou appuie. Tout le monde est d'accord? Non, je demande le vote, s'il vous plaît. Alors, Mme Pierron, M. Tonneau demande le vote et expliquera pourquoi il le demande. Faites le tour de tout le monde. Est-ce qu'on pourrait, j'en ai déjà parlé de ça, oui. Là, mais entendre des arguments avant de passer au vote? Ça peut influencer. Oui, on peut avoir des commentaires avant. Ça a été soulevé, là, tout ce qui touche le TOT 2, que la Ville agisse comme développeur dans ce dossier-là. Moi, je suis contre par principe. Je trouve que ce n'est pas le rôle de la Ville d'agir comme développeur. Elle devrait vendre sa portion à des développeurs plutôt que de mettre aux enchères éventuellement les propriétés de la Ville quand elles seront prêtes à vendre. Mais d'agir comme développeur, je ne suis pas d'accord. Ça peut apporter des problèmes à long terme. Donc, je m'y oppose. Donc, c'est la raison. M. Gilbert? Je suis d'accord avec la première argument de Louis, c'est-à-dire la Ville ne doit pas agir comme promoteur, sauf que bon, la situation est tout autre présentement. Il y a trois grands propriétaires dans cette zone-là, Trigone-le-Bateau, Bois et la Ville, qui est propriétaire du garage municipal et du dépôt à neige. Moi, je suis d'accord pour vendre nos terrains, sauf qu'en faisant et en déposant la trame de rue qu'on dépose aujourd'hui, on vient apprécier la valeur de notre terrain municipal. Voilà. Et donc, la valeur marchande, lorsque nous le vendrons, va être de facto augmentée. Ça, c'est un peu notre petit coffre d'or qu'on a en tant que municipalité. Donc, il faut y aller par étape par étape. Moi, je trouve que c'est une bonne trame qu'on va déposer. Ça respecte à 99% le PPU. Le bout, en toute transparence, c'est un petit bout qui ne sera pas respecté à 100%, c'est bel et bien la protection de tous les arbres. Ce n'était pas ça qui était dit dans le PPU, là, mais d'une certaine quantité d'arbres dans le camping, sachant que ce sont des érables argentés, etc. Bref, il y a tout un argumentaire pour en parler plus tard. Mais moi, qu'est-ce qui est venu mettre de l'eau dans mon vin sur le dépôt de la trame, c'était que les points de vue du CCU allaient être pris en compte sur certaines zones qui allaient être préservées dans le camping Laurier, entre autres, où est-ce que tu as une valeur de canopée qui est intéressante. Donc, voilà, je vais voter pour. Et pour ajouter, avant le vote, on en a parlé en caucus et on a demandé au directeur général de nous ramener le dossier afin qu'on puisse statuer à nouveau sur nos terrains. Alors, Mme Pierron, si vous voulez
faire le vote. Oui. Alors, M. Gilbert. Pour. M. Hull. Pour. Mme Minier. Contre. M. Tourneur. Contre. Pas peine de rire. M. Bro. Pour. Alors, c'est fait. Point numéro 30, compte rendu d'une réunion, Mme Minier. Je propose que ce conseil accuse réception des comptes rendus des réunions du 8 septembre 2020 et du 21 septembre 2020 au comité consultatif sur le développement de la culture du tourisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Un appuyant. J'appuie. Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 31, la recommandation du compte, d'un compte rendu, Mme Minier. Alors, je propose que ce conseil approuve les recommandations des comptes rendus des réunions du 8 septembre 2020 et du 21 septembre 2020 du comité consultatif sur le développement de la culture du tourisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire suivante. 2020-06, publication des répertoires toponymiques réalisés par le patrimoine hilaire-montain. 2020-07, demande d'aide financière projet d'exposition artiste en résidence. Et 2020-08, marché de Noël. Voilà. Alors, un appuyant. J'appuie. Monsieur Hull appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Numéro 32, recommandation 2020-09 d'un compte rendu. Madame Minier. OK. Je propose que ce conseil autorise la ville de Mont-Saint-Hilaire à verser une aide financière au montant de 1372,31 au regroupement des artistes professionnels de Mont-Saint-Hilaire pour l'installation de l'œuvre parenthèse. Que ces dépenses soient payables à même le poste budgétaire 02-795-70-75. Et qu'il y a des crédits disponibles, tels qu'en fait foi le certificat numéro 2020-18, émis par Mme Sylvie Lapam, directrice des services des finances et trésorières, en date du 1er octobre 2020. Un appuyant. J'appuie. Okay. Je t'en ai. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Je veux juste dire une parenthèse, c'est que c'est un montant qui est exceptionnellement accordé dans le cadre du 25e du regroupement des artistes professionnels. C'est important de le préciser. Oui, important de le préciser. Point numéro 33, compte rendu d'une réunion ordinaire, M. Brault. Je propose que ce conseil accuse la réception du compte rendu de la réunion ordinaire du 16 septembre du comité de circulation et de la sécurité de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Alors, un appuyant. J'appuie. M. Hull appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Numéro 34. M. le maire, j'avais quelque chose à ajouter par rapport à tout ça. On va faire un petit résumé. Oui, mais vous allez l'avoir au point 34. Oui, c'est vrai. OK, c'est bon. Alors, point 34, recommandation de la réunion, justement, M. Brault. Je propose que ce conseil approuve les recommandations suivantes au compte rendu de la réunion ordinaire du 16 septembre 2020 du comité de circulation et de la sécurité de Mont-Saint-Hilaire, des points 2020-037 au point 2020-056R. Un appuyant. J'appuie. M. Hull appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors là, M. Brault, vous pouvez faire vos précisions. Ben oui, c'est ça, exactement. Merci. Il y a eu certaines demandes d'interdiction de stationnement qui ont été accordées, soit pour les rues Haute-Claire et Chemin de la Montagne. En parlant de Chemin de la Montagne, ici, en descendant sur le côté de Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la rue Vien. Il y a eu des demandes d'audience qui ont été proposées, puis que pour la rue Gilbert-Dionne, près du parc. Il y a aussi une petite question que je voudrais apporter concernant le stationnement des parents qui viennent sur la rue Campbell, qui malheureusement stationnent devant les entrées Chartières. Les gens, c'est seulement une section de débarcadère, en fait, dans ce coin-là, ainsi que les gens ils vont mener leurs enfants à l'école. On aimerait que les gens prennent conscience qu'ils bloquent les allées, les entrées sorties des gens. Puis j'aimerais aussi souligner le départ de Mme Nathalie Tétrault,
qui a travaillé avec, qui a été avec nous dans le comité de les 7 dernières années au sein du comité. J'aimerais souligner son très bon travail. Merci. Excellent, merci. Point 35, procès verbal d'une réunion, M. Houle. Alors, je propose que ce conseil accuse réception du procès verbal de la réunion ordinaire du 29 septembre 2020 du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire. En appuyant. J'appuie. M. Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 36 concernant les PIA, M. Houle. Alors, je propose que ce conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration chartirale et les recommandations suivantes du CCU 2009-2907 à CCU 2009-2922, à l'exception des PIA CCU 2009-2914-17 et 20. Alors, dans l'ensemble, ce mois-ci, c'est majoritairement des rénovations extérieures et une nouvelle construction là, qui sont demandées ici au CCU. J'appuie. Monsieur Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point 37, ça concerne les refus des PIA, Monsieur Houle. Oui. Alors, je propose que ce conseil approuve les recommandations et refuse les plans d'implantation et d'intégration structurale énumérée suivant. Pour le CCU 2009-2914, pour le 894 voire Sir Wilfrid Laurier. Également pour le CCU 2029-20, pour le 886 boulevard Sir Wilfrid Laurier, lot 1 819 140. J'appuie. Alors, M. Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point numéro 38, demande de délégation mineure. Alors, M. Houle va faire la lecture. M. Saint-Onge nous dira s'il y a des questions à cet effet et l'adoption de la résolution par la suite. M. Houle. Alors, je propose que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure présentée pour la propriété portant le numéro d'immeuble situé au 613 Chemin des Patriotes Nord à Mont-Saint-Hilaire. Celle-ci a pour but d'autoriser la construction d'un escalier ouvert donnant accès au sous-sol en cour avant, alors que le règlement de zonage numéro 1235 prescrit que les escaliers ouverts donnant accès au sous-sol ne sont pas autorisés en marge et cour avant. Le tout tel qu'il appare au plan d'implantation préparé par M. Vincent Boulian, architecte, mis à jour le 14 juillet 2020, portant le numéro de dossier 19-11-665, joint à la présente résolution comme annexe. M. Saint-Onge, est-ce que nous avons des questions? Je ne vous entends pas. Même si on est en face. Alors, juste préciser que nous n'avons reçu aucune question à l'égard de cette dérogation mineure, ce qui était disponible jusqu'à l'instant présent sur nos courriels à cet effet. L'autre dérogation mineure? Exact. Alors, est-ce qu'il y a un appuyant, M. Houle? J'appuie. Je t'en ai appuyé. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 39, demande de dérogation mineure, M. Houle. Alors, je propose que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure présentée pour la propriété portant le numéro d'immeuble situé au 623 rue Aubert de Gaspé à Mont-Saint-Hilaire. Alors, celle-ci a pour but d'autoriser en marge avant secondaire de 5,21 mètres pour l'agrandissement du bâtiment principal, alors que le règlement de zonage numéro 1235 prescrit une marge avant minimale de 7,5 mètres, permettant ainsi une dérogation de 2,29 mètres. Cette demande a également pour but d'autoriser la construction d'un perron à 4,03 mètres de la ligne avant secondaire, empiètement de 3,47 mètres, alors que le règlement de zonage numéro 1235 prescrit un empiètement maximal de 1,75 mètres, permettant ainsi une dérogation de 1,72 mètres et d'autoriser la construction d'un perron et d'un balcon à 4,15 mètres de la ligne avant secondaire, empiètement de 3,35 mètres, alors que le règlement de zonage numéro 1235 prescrit un empiètement maximal de 1,75 mètres, permettant ainsi une dérogation de 1,60 mètres, le tout tel qu'il appare au plan de projet d'implantation préparé par M. Vital Roy, arpentage géomètre, daté du 12 août 2020 et portant le numéro de minute 54-322, joint à la présente position comme annexe. Monsieur le maire, juste avant le vote, la graphière me demande de préciser que nous avons
non plus vraiment, même si je viens de le dire, de le repréciser juste après la lecture. Toujours pas de questions sur cette dérogation. Okay. Alors, effectivement, on n'a pas de questions. Alors, une appuyant. J'appuie. Monsieur Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Point numéro 40, règlement numéro 919-21, Monsieur Brou. Ce règlement modifiant le règlement de la 119 concernant la circulation et la sécurité publique de la ville de Mont-Saint-Hilaire afin de modifier les dispositions relatives au stationnement avec vignette, la limite de vitesse sur le rang des étangs et rendre la circulation en sens unique sur la rue Saint-Charles, concernant le règlement numéro 919-21 qui a été précédé d'un avis de présentation et la présentation d'un projet de règlement lors de la séance ordinaire tenue le 8 septembre 2020, considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise à chacun des membres du Conseil à l'intérieur du délai prévu à la loi des cités et villes, considérant que mention est faite à l'objet du règlement, je propose que ce règlement, intitulé règlement modifiant le règlement numéro 919 concernant la circulation et la sécurité publique de la ville de Mont-Saint-Hilaire afin de modifier les dispositions relatives au stationnement avec vignette, la limite de vitesse sur le rang des étangs et à rendre sens unique la circulation sur la rue Saint-Charles soit adoptée par ce conseil. Un appuyant. J'appuie. Je vous l'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Numéro 41, règlement numéro 1299. Encore en moins. Règlement autorisant la mise en place du programme de rénovation Québec, Rénovation Québec, volet maison hasardée de la ville de Mont-Saint-Hilaire, considérant que le règlement numéro 1299 a été précédé d'un avis de présentation et la présentation d'un objet de règlement lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 septembre 2020, considérant que copie du projet de règlement a été mise à chacun des membres du Conseil à l'intérieur du délai prévu à la loi sur les cités et villes, considérant que mention est faite de l'objet du règlement, je propose que le règlement 1229, intitulé règlement instaurant la mise en place du programme Rénovation Québec, volet Maison des Ardennes de la ville de Mont-Saint-Hilaire, soit adopté par ce Conseil. Un appuyant. J'appuie. Monsieur Olapuy, tout le monde est d'accord? Oui. J'aimerais rajouter quelque chose à cette résolution, de mentionner que ce règlement-là est rétroactif au 1er avril 2019. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que lorsqu'on le met en force, comme en octobre, c'est un avant. Mais le travail du service de l'urbanisme, le directeur, entre autres, a travaillé fort avec... le SHQ pour le faire débutant en avril. C'est une bonne nouvelle parce qu'on a des dossiers que les gens vont pouvoir faire des demandes. Alors, merci de la précision. Point 42, l'octroi d'un contrat, Mme Minier. Il est proposé que ce conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de construction Serge Bergeron Inc. au montant de 38 516,63 $ incluant les taxes relativement au remplacement des fenêtres de garage municipal dans le cadre du contrat BA20-02, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au dit contrat. La présente soumission est appuyée en conformité avec la recommandation de M. Francis Leblanc, directeur des services travaux publics, contenue dans son rapport en date du 22 septembre 2020. La dépense décrite au bon commun TP2055 au montant de 38 516,63 $, incluant les taxes, soit payables à même le poste budgétaire 02-839-00-724 et qu'il y a des crédits disponibles pour des fins auxquelles la dépense est projetée conformément au règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Le maire ou en son absence, le maire suppléant ou la greffière en son absence, le greffier adjoint sont autorisés à signer tout document donnant effet à la présente. Un appuyant. J'appuie. Gilbert appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, M. Morneau va être content de savoir qu'on a eu deux soumissions. L'autre, il était pratiquement 70 000 $. Alors, on a quand même fait des économies. Point 43, l'octroi d'un contrat, M. Tondon.
Je propose que ce conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de Tetra Tech QI incorporée au montant de 175 720 $ et 54 sous, incluant les taxes dans le cadre du contrat ING 19E02A01 relatif à des services professionnels en ingénierie concernant le plan de gestion des débordements pour les villes de Mont-Saint-Hilaire et d'Otterburn Park, lequel a obtenu le meilleur pointage relativement au dit contrat. Que la dépense décrite au bon de commande SI20-61 au montant de 83 651 $ et 99 sous, incluant les taxes pour la quatre-parts de la ville de Mont-Saint-Hilaire, soit payable à même le poste budgétaire 02-415-10-419 et qu'il y a des crédits disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée conformément au règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Que cette dépense est conditionnelle à l'adoption d'une résolution du Conseil de la ville d'Otterburn Park autorisant une dépense pour sa part pour un montant de 92 068 $ et 55 sous, incluant les taxes relativement au dit contrat. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Jean Lancio, directeur du service de l'ingénierie, contenu dans son rapport en date du 29 septembre 2020. Que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière ou en son absence, le greffier adjoint, soit ils sont autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présence. J'appuie. Alors, M. Brault appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Dans ce cas-là aussi, on avait eu deux soumissions. L'autre qui était à 265 534, près de 90 000 $ de plus. Point numéro 44, l'octroi d'un autre contrat, M. Gilbert. Oui, il s'agit d'un contrat pour l'enneigement que vous savez qu'on fait à chaque hiver sur la butte de la gare, là, dans le parc de la gare. Donc, je propose que ce conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission Snow Innovation Inc. au montant de 28 304,77 incluant les taxes et carburants relativement à l'enneigement de la pente à glisser au parc de la gare pour les saisons 2021-2022 dans le cadre du contrat LO20-01 étant la seule soumission conforme reçue relativement au dit contrat. Que le dit contrat est d'une durée de 2 ans avec possibilité de reconduction d'une période de 1 an, le tout selon les termes et conditions du devis. J'appuie. Alors, M. Hull appuie, tout le monde est d'accord? Oui. Excellent. Oui. Alors, c'est 43 639. On avait approché 3 fournisseurs. Malheureusement, il y en a seulement qu'un qui a soumissionné. Ça représente un coût d'environ de 14-15 000 $ annuellement. Alors, ça met fin à l'heure du jour. Nous sommes rendus dans la deuxième période de questions. Il est 21h20. Alors, il nous reste 40 minutes pour la deuxième période, M. Saint-Onge. Voilà. Alors, il y a quelques questions. Nous allons commencer avec une question de Mme Christine Dénigé. Alors, nous invitons la conseillère et les conseillers municipaux à être favorables à la proposition du comité consultatif en environnement concernant un éventuel programme de subvention pour les produits d'hygiène féminine réutilisables à Mont-Saint-Hilaire. Nous déposons aujourd'hui une pétition comprenant 160 signatures pour montrer l'intérêt des citoyens et des citoyennes pour une telle subvention. Une dizaine de commentaires ont d'ailleurs été fournis. Je vais juste skipper, il y en a quelques-uns, mais très favorables à cet effet. Et ils seront transmis au conseil municipal à la suite de cette séance. En effet, de son côté, la Ville de Belleuil a rendu disponible un tel programme de subvention depuis le 15 juillet 2020. La Ville d'Otterburn Park s'est également positionnée en faveur d'une telle subvention lors du conseil municipal du 21 septembre dernier et s'est engagée à mettre en place un programme à cet effet. En tant que citoyenne de Mont-Saint-Hilaire, voici notre question aujourd'hui. Êtes-vous prêt à vous engager formellement, en collaboration avec le comité consultatif en environnement, à faire un programme de subvention pour l'achat de produits d'hygiène féminine durable à Mont-Saint-Hilaire? Nous vous remercions pour votre écoute et votre collaboration. Nous sommes à votre disposition pour toutes questions. La pétition, les commentaires recueillis ainsi qu'un document complet énumérant toutes les subventions à cet effet du Québec ont été envoyés au directeur général de Mont-Saint-Hilaire par courriel aujourd'hui. Signataire des 3 ou 4 dames, je m'excuse, 1, 2, 3 dames signataires. Excellent, merci pour votre pétition. Effectivement, M. Saint-Onge va le recevoir. Mais vous savez, les membres n'ont pas dit qu'ils étaient contre nécessairement. Lors de la dernière séance, ils ont demandé plus d'informations.
Alors, c'est un mandat que M. Gilbert a. Avec votre pétition, il va pouvoir le déposer également au comité d'environnement. Ils vont regarder le dossier. Ils vont nous revenir avec le détail du projet. Et à partir de là, les membres du conseil pourront prendre une décision. Alors, c'est à suivre. J'ai deux questions sur le même sujet, si vous me permettez. Je vais les relier, même si elles sont un peu séparées. Question de M. Pierre Nault. Question pour le maire. Pourquoi la subvention pour le Musée des beaux-arts est-elle beaucoup plus élevée que celle pour la Maison amérindienne? Est-ce que le conflit personnel entre vous et M. André Michel est la source de cette iniquité, considérant que c'est la maison de la culture amérindienne autant que le musée est dédié à la culture? Il y a une différence tout simplement parce que le Musée des beaux-arts, on a une subvention depuis son existence, depuis 25 ans. La maison amérindienne, son statut était très particulier. Il faut savoir qu'à l'époque, lorsqu'on avait le conseil de l'époque, on recule, avait retenu le projet de la maison amérindienne. À l'époque, on disait qu'il n'y aurait pas de frais pour la ville de Mont-Saint-Hilaire. Ceci a changé en 2013. La maison amérindienne a redonné la maison à la ville de Mont-Saint-Hilaire. Et depuis ce temps-là, il y a eu des subventions qui a été donné à la Maison amérindienne. Et d'ailleurs, on va, au mois de novembre, on va vous présenter un tableau des différentes subventions durant les dernières années de la Maison amérindienne et du musée pour mettre les chiffres comme tel. Alors, on a donné des montants. Pourquoi que ce n'est pas égal à la maison, à l'eau musée? Il faut qu'ils fassent la demande. Nous, on y va selon les demandes. Prochaine question. Parfait. Alors, toujours dans le même sujet, c'est une question de M. André Michel. Alors, la question s'adresse à M. Corriveau. Le 18 décembre 2015, vous avez écrit à Michel Noël de la Nation algonquine et président à l'époque de la Maison amérindienne, ouvrez les guillemets, « La différence entre le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire et la Maison amérindienne est que le musée est une création de la ville et c'est la raison pour laquelle nous le supportons complètement. La Maison amérindienne, elle, est un organisme indépendant. Il n'est pas de l'intention de la ville de supporter. La maison eux-mêmes, au même titre qu'elle le fait pour le musée. Vous m'avez aussi déjà dit, le musée, on le voulait. La maison nous a été imposée. Triste méconnaissance de ces dossiers de la part d'un premier élu qui se dit un défenseur de la culture, puisque le fondateur de ces deux institutions est la même personne et que les deux sont incorporés de la même manière selon la partie 3 des compagnies. Il n'y a aucune différence entre les deux institutions autre que la couleur. N'est-ce pas là, M. Corriveau, deux poids, deux mesures que vous avez instauré entre les musées blancs et le musée rouge qu'on appelle aujourd'hui dans les médias du racisme systémique? Moi, M. Michel, je n'embarquerai pas dans le racisme parce qu'il n'y en a jamais eu. Mais je vois que vous continuez à désinformer les gens, comme vous savez si bien le faire. Effectivement, la lettre à M. Noël, à l'époque, c'était pour dire que le Musée des beaux-arts était une création de la ville. C'est-à-dire que lorsque vous l'avez fondé, vous l'avez fondé avec les gens de la ville et on l'a mis en place. C'est dans ce sens-là. La Maison amérindienne, ça a été imposé. Je ne peux pas croire que vous me dites ça ce soir. Lorsque moi-même, j'étais sur le comité de sélection, on avait eu d'autres projets déposés à l'époque et on avait retenu le projet de la Maison amérindienne pour une seule et unique raison, ou principalement, il y avait plein de raisons, mais principalement, c'est pour nous, pour la ville de Mont-Saint-Hilaire, ça ne représentait aucun frais. Vous étiez pour rénover tout le bâtiment, ce que vous avez fait et on vous en remercie. Alors, de dire que la maison, ça a été imposé, je ne peux pas croire que vous me dites ça ce soir. Autre question, M. Saint-Onge. Question de M. Alain Saint-Pierre. Bonsoir. Permettez-moi de vous témoigner notre grande appréciation suite à l'installation du corridor nautique face à l'église. Je constate une baisse des vitesses et des grosses vagues, mais surtout une baisse du bruit causé par les accélérations des embarcations et par les manœuvres quasi-cascades des motomarines. Je crois que la Chambre de commerce est impliquée. Est-ce possible? Quelle est l'implication de la ville de Mont-Saint-Hilaire? Puis-je vous encourager à vous assurer que ce projet se répète en 2021 et par la suite, idéalement, pour le début de l'été? De plus, il serait apprécié que le corridor soit plus long.
Bien, écoutez, j'apprécie votre question parce qu'effectivement, il y a quand même quelques années que le corridor est en place. Et ça venait d'une réflexion avec la ville de Belleuil également et la Chambre de commerce parce qu'on avait beaucoup de vitesse. Vous savez qu'il y a des quais de chaque côté pour les commerçants de Belleuil ou de Mont-Saint-Hilaire. Alors, la Chambre de commerce avait, à l'époque de mémoire, commandité les bouées. Je pense que c'est eux également qui les installent. Là, ça, peut-être, M. Saint-Onge, je ne sais pas si vous avez l'information, mais effectivement, depuis l'installation de ces corridors-là, des bouées, on a vu une diminution de la vitesse. Alors, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut l'agrandir? C'est sûr qu'on peut l'agrandir. Il faudrait que M. Saint-Onge en parle avec la Chambre de commerce et la Ville pour voir la possibilité. Autre question, M. Saint-Onge? Oui, question de M. Jacques Morneau. Évaluation des infrastructures de la Ville. L'hiver dernier, on nous a informé que la Ville avait engagé une firme pour faire l'évaluation des infrastructures. Est-ce que la firme a terminé ses travaux? Si oui, est-ce que le rapport de cette firme peut être mis disponible aux citoyens sur le site Web de la Ville? Alors, M. Saint-Onge, on est rendu où avec cette évaluation? Alors, oui, les travaux sont terminés. C'est un plan directeur sur les infrastructures qui devrait être présenté mardi prochain, puisque lundi est congé au conseil municipal. Donc, hein? M. Morneau nous suit de près dans l'actualité. Alors, M. Morneau, ça sera présenté au conseil municipal et définitivement, il y a sûrement certaines de ces données-là qui pourront être expliquées et rendues publiques par explication. Donc, un plan directeur sera adopté et le plan directeur sera aussi public en temps et lieu. Alors, à suivre très bientôt. Autre question, M. Saint-Onge. Oui, donnez-moi une petite seconde. Question de M. Pierre Nault. Concernant le renouvellement de contrat et d'ajustement du salaire du DG de la Ville M. Daniel-Éric Saint-Onge, j'ose me prononcer au nom de multitudes de citoyens qui sont tous d'accord que la venue de M. Saint-Onge à la direction de la Ville est la meilleure qui est arrivée depuis des décennies. À chaque assemblée du Conseil, il maîtrise tous les dossiers, donne leur juste et s'adresse directement aux citoyens de façon claire et honnête. Le parfait exemple d'une gouvernance transparente et juste. Si nous voulons d'un candidat de ce calibre à la Ville, doit le payer, en fonction de ses compétences et de la qualité du travail qu'il effectue. Ma question est à savoir pourquoi vous vous entêtez à ne pas le payer adéquatement quand vous, M. Corriveau, avez osé vous déclarer maire à temps plein après votre élection de 2013 sans consulter les citoyens et que jusqu'à maintenant, tous les dossiers sur lesquels les citoyens vous questionnent, vous ne les maîtrisez pas et vous transférez à chaque fois la question à M. Saint-Onge afin qu'il puisse y répondre. Vous payez à temps plein, c'est correct, sachant très bien qu'historiquement, un maire à demi-temps a toujours été suffisant à Mont-Saint-Hilaire et que pour les services d'un DG exceptionnel, c'est non. C'est votre opinion pour le maire à temps plein, parce que je peux vous dire, je vous donne l'exemple de McMasterville, qui est une municipalité, ou Saint-Jean-Baptiste, c'est des municipalités beaucoup plus petites, puis c'est des maires à temps plein. La tâche de maire aujourd'hui est très ardue. On a beaucoup de comités, on a beaucoup de lectures, je pense des heures de lecture. Je peux avoir 200 pages à lire pour un comité. Alors, mais je comprends, M. Nault, vous êtes contre tout ce que je fais. Alors, vos commentaires ne me surprennent pas. Mais par contre, ce que vous dites du DG, je suis entièrement d'accord à savoir qu'il fait un travail excellent. Je l'ai dit et je vais le répéter. Autre question. Question de M. Jean-Yves Héroux. Le gouvernement Legault a annoncé des sommes importantes pour venir en aide aux municipalités du Québec dans le cadre de la pandémie afin de compenser les pertes de revenus. Est-ce que la Ville a obtenu des informations sur ce programme et est-ce que la Ville présentera des demandes? Une très bonne question, M. Héroux, parce que oui, on a eu de l'information. Elle est confidentielle à ce moment ici parce que ça va être dévoilé par notre député et par le gouvernement. Je vous le dis tout de suite, là, c'est de très bonnes nouvelles. Alors, ça devrait être dans les prochains jours, prochaines semaines, l'annonce devrait être faite. Vous allez voir, c'est un montant important. Alors, à suivre. Prochaine question de M. Alain Saint-Pierre. Bonjour. Au sujet des niveaux de développement résidentiel, j'aimerais savoir si le design des rues, type d'habitation, parc, piste cyclable, etc., est décidé depuis longtemps ou bien le tout est finalisé lorsqu'un contracteur promoteur débute ses travaux. Est-il trop tard pour être innovant, moderne, visionnaire dans un design d'urbanisme viable et vivable dans un projet tel que celui derrière les résidences Soleil, afin que tous profitent de la nature en intégrant aussi les étangs et cours d'eau?
Alors, la réponse est oui, et je peux vous dire que notre service d'urbanisme ainsi que nos responsables au CCU travaillent énormément dans ce sens-là. M. Brault le dit, ou c'est pas M. Brault ou un autre, je m'excuse, c'est M. Hull plutôt. Dans le projet derrière Résidence Soleil, là, c'est 30-35% qu'on aura en parc. Je vous rappelle que généralement, dans un projet, c'est 10%. Alors, on a travaillé, quand je dis « nous », c'est plus le service d'urbanisme avec le directeur général. On a travaillé très fort pour trouver une entente qu'on a adoptée ce soir. Mais partout où ce qu'on travaille, on remet en question la façon de faire. Et ça, le service d'urbanisme puis nos conseillers au CCU font un travail exceptionnel pour ça. Question de M. Jacques Morneau. Contrairement à ce qui a été discuté sur les mesures procédurales des réunions du Conseil, il est régulier lors des réunions du Conseil que des avis de présentation sont immédiatement suivis par une résolution pour adopter une réglementation, comme cela a été le cas lors de la réunion du 8 septembre, lorsque Mme Minier a fait des avis de présentation suivis par les adoptions de règlements concernés sans que les citoyens aient eu le temps de consulter ces règlements. Je n'étais pas en train de relire ce qu'on a vu. C'est une réponse à la réponse que vous avez donnée, je crois. Bon, je pense qu'on ne répétera pas ce qu'on a dit. Non? Je répète que c'est des projets à chaque fois qui sont ajoutés et je peux vous assurer que notre greffière est de toute compétence à bien s'assurer de ce processus. Tout à fait. Autre question. Alors, je m'excuse, je vais sauter parce que c'est... Ben, finalement, alors, j'ai une dernière question, une question d'une autre personne. Là. Les autres sont les mêmes, donc je vais juste revenir à monsieur ici. Advenant, une question de M. Francis Lafortune. Advenant qu'il soit recommandé par la santé publique du Québec de ne pas permettre aux enfants de passer l'Halloween en formule porte-à-porte le 31 octobre, est-ce que la Ville a songé à un plan B pour offrir une fête d'Halloween aux jeunes enfants de Mont-Saint-Hilaire? Cordialement, Francis Lafortune. Bien, comme je l'ai dit en entrée de jeu, vous n'étiez peut-être pas là, on a annulé notre maison hantée qui était dans l'ancienne caserne, malheureusement. Mais les gens, je sais, parce que j'ai parlé avec M. Saint-Onge, M. Bergeron ce matin, les gens au service des loisirs travaillent très fort sur une formule améliorée, une formule COVID. Alors, c'est à suivre. Suivez-nous sur Facebook ou sur le site de la Ville. Lorsque ça va être fait, on va faire toutes les annonces à cet effet. Question de M. Jacques Morneau. Éradication de l'herbe à puce l'hiver dernier. On nous a informé que la Ville avait reçu une subvention pour l'éradication de l'herbe à puce. Je ne sais pas si les travaux ont été exécutés, mais aujourd'hui, j'ai pris une marche dans le parc Paul-Émile Borduas. J'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'herbe à puce dans le petit boisé du parc, ainsi que tout près des boîtes postales communautaires. Ceci est un danger pour la santé des enfants et des adultes qui fréquentent ce parc. Qu'anticipez-vous que l'herbe à puce sera éradiquée dans le parc Émile Borduas? Je sais que le service des communications a fait un concours. Ça n'a pas permis, possiblement, de tout arracher. M. Gilbert, vous avez levé la main. Après ça, M. Saint-Onge, j'ai vu à rajouter. Oui, exact. C'est le service de l'environnement qui avait le POC en partenariat avec le service des communications, d'ailleurs, qui ont fait un très bon travail. Puis le Centre de la nature aussi était aidant là-dedans. Puis la subvention, c'était pour l'herbe à poux et non pour l'herbe à puce. Puis, petit conseil, ne prenez pas l'herbe à puce, mais l'herbe à poux, il n'y a pas de problème à arracher, sans problème. Informez-vous, ça vaut la peine. L'herbe à poux, c'est plus pour les effets négatifs que ça a avec le pollen. Ouais. Alors que l'herbe à puce, c'est lorsqu'on le touche, et bien là, ça provoque des douleurs, des blessures, des rougeurs sur la peau. Donc, voilà la petite nuance. Très bonne nuance. Ouais, la subvention, elle a été assez utile. Mais c'est difficilement quantifiable et chiffrable aussi, la quantité de pollen qu'on a réussi à ne pas émettre en arrachant toute cette herbe à poux-là sur le territoire. Mais l'effet, la corrélation est directe. L'herbe à poux provoque, je pense que c'était de 10 à 20 je ne me souviens plus des chiffres, de 10 à 20 des congés de maladie au Québec, c'est directement relié à l'herbe à poux. Oui, hein. Monsieur Saint-Onge. Oui, c'était vraiment la même précision qu'on parlait, je lisais la question telle qu'elle était inscrite, herbe à puce, mais pour reprendre sur nous, c'est vraiment l'herbe à poux et je peux vous dire que j'ai reçu environ 7 communications en quelques secondes de citoyens qui précisent l'herbe à poux, qui est totalement autre chose, donc confirmé pour M. Grenon aussi, c'est bien l'herbe à poux.
l'apprécier. Mais je vais quand même prendre la question de M. Morneau pour l'herbe à puce et je vais quand même informer le service. Je peux vous aviser, par exemple, que j'ai des employés qui ont touché à de l'herbe à puce dans les dernières semaines et qui en subissent les conséquences aujourd'hui. Donc, je vais juste m'assurer de faire avec nos horticultrices le suivi. Ouais, ça merci, important M. Morneau. Qu'il en aille pas c'est assez difficile à éradiquer aussi. Hein. Oui. Mais ça serait important. J'ai dit, c'est assez difficile d'éradiquer l'herbe à puce. Ouais. Autre question, M. Saint-Onge. Question de M. Pierre Nau. Question pour M. Jean-Pierre Brault, que je vous adresse, M. le maire, à vous, puis vous pourrez rediriger. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes en conflit d'intérêts dans le dossier H60? Avez-vous des contrats ou négociations avec les promoteurs de la zone H60 si contestée? Alors, M. Brault, peut-être répondre à la question. Enlevez le mute, vous êtes sur mute. Enlevez-vous sur mute, on ne vous entend pas. Excusez-moi. Pour répondre à votre question, M. Nau, je n'ai pas vraiment de contrat, mais je veux juste déclarer la possibilité de conflit d'intérêts dans le dossier de H60. On est entrepreneur dans la construction dans la région et il y a certaines personnes que je connais qui sont propriétaires de ces terrains-là. C'est pour ça que je me suis retiré de tous les échanges et délibéré dans ce dossier. Et n'avoir participé à aucun échange entre mes collègues et moi en vue de l'adoption de la résolution de ce soir, conformément au code d'éthique et de déontologie de la ville, des élus de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Fait que je n'ai pas rien pour l'instant. C'est sûr que, tu sais, puis il pourrait en avoir dans le futur, puis je voulais pas que ça revienne sur le tapis par la suite. Ça ne veut pas dire que ça va se faire demain matin. Ça ne veut pas dire que ça va se faire dans 6 mois, dans 1 an. Mais c'est pour cette raison que je veux sortir. C'est plus prudent. Autre question, M. Saint-Onge? Question de M. Alain Saint-Pierre. Bravo pour votre travail minutieux de protection du tour de la montagne par achat et échange des lots. Pouvons-nous rêver d'un sentier entre le Collège Saint-Hilaire et le chemin noiseux des Lots? Oui, tout est possible. Il y a un travail qui se fait actuellement avec la ville d'Otterburn Park pour faire un sentier tout le tour de la montagne, avec le Centre de la nature également. Alors, effectivement, dans le temps, on peut espérer ça. Ça s'appelle Saint-Jean-Baptiste. Ça s'appelle juste Saint-Jean-Baptiste qu'Otterburn Park. Ah, excusez, oui. C'est Saint-Jean-Baptiste qui travaille le dossier avec le Centre de la nature de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Monsieur Gilbert, vous aviez quelque chose à dire? Non, c'est ça, c'était une petite... C'est un dossier qu'on travaille. À force d'acquérir des lots ici et là, bien, ça nous permet de possiblement prolonger le fameux sentier qu'on aura. Mais je pense que ça va arriver à votre désir, M. Saint-Pierre. Autre question, M. Saint-Onge? Question de M. Alain Saint-Pierre, toujours. Point 29. Peut-on avoir les détails de la trame, croquis ou plan disponible sur le site de la ville? Est-ce qu'il va être disponible suite à l'adoption de ce soir, M. Saint-Onge? J'aimerais vérifier avec la greffière si c'est possible. Oui. Alors, M. Saint-Pierre, on vérifie. Si c'est possible, on va le mettre sur le site de la ville. Autre question, M. Saint-Onge? Toujours une question de monsieur. Il n'en reste que deux pour le moment. Question de M. Alain Saint-Pierre. Y a-t-il de l'aide pour éradiquer l'herbe à puce? M. Gilbert, peut-être plus connaisseur dans le domaine? Pas à ma connaissance, malheureusement. Là, c'est vraiment l'herbe à puce parce que c'est lui qui a le plus d'impact sur la santé. L'herbe à puce, ça n'a aucun impact. Puis tu ne veux pas non plus éradiquer l'herbe à puce, qui est une plante indigène naturelle qui vit dans les sous-bois, souvent proche des milieux un peu plus humides. Fait que. Non, je ne vois pas pourquoi le ministère donnerait une subvention pour ça. Excellent. Autre question, M. Saint-Onge. Dernière question pour le compte de M. Pierre Nau. Question pour le conseil en général. Est-il prudent de faire un partenariat avec un promoteur ayant une mauvaise réputation médiatisée à l'émission Enquête de Radio-Canada? Alors, je ne sais pas de qui vous parlez, là, mais il faudrait le préciser parce que... Mais en général... Bien, la question est posée aux membres du conseil. Fait que, est-ce qu'il y en a qui veulent commenter?
C'est un très bon argument. Il y a de quoi avoir un malaise, je le comprends. D'ailleurs, Louis l'amène souvent. C'est un argument qui se tient, sauf que la réalité, elle est ce qu'elle est. La ville, elle a décidé, il y a de cela 3-4 ans, d'aller avec la avec les deux autres promoteurs, de faire un plan d'ensemble. Puis, juste le fait d'avoir canné la trame urbaine aujourd'hui, ça permettrait à la municipalité de se départir de certains terrains, puis justement ne plus faire affaire avec les promoteurs. C'est culturel, hein? Il y a certaines villes qui font affaire, qui agissent carrément comme des promoteurs, et c'est très bien vu et très bien perçu par la population. Et dans d'autres cas, c'est tout le contraire, c'est le privé qui gère absolument tout. Puis la ville est là pour mettre le cadre. Donc, c'est deux arguments, des arguments qui sont très valables, mais ça dépend, j'ai l'impression, de la culture de la municipalité. Et de toute façon, on ne peut pas empêcher un promoteur d'acheter et de développer un terrain à Mont-Saint-Hilaire et ailleurs. Autre question, M. Saint-Onge? C'est tout, M. le maire. Ça mettrait fin à la période de questions. Alors, ça met fin à la période de questions. J'ai besoin d'un proposant pour la levée de l'Assemblée. Propose. M. Gilbert. M. Turner appuie. Alors, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Soyez extrêmement prudents avec le COVID. Hein? On a malheureusement des cas ici à Mont-Saint-Hilaire. Alors, soyez prudents, puis on se revoit le mois prochain. Merci. Au revoir.